Coucou tout le monde! Coucou Sososette, coucou Céline, coucou Panini, coucou euh, Lily, coucou Anayo, coucou Ronan, coucou Sissi, coucou Gwen, coucou Noé, coucou Linsey, coucou Marilou, coucou Flora, coucou euh, Anna, coucou Original, coucou Lily, coucou Inès, coucou tout le monde, comment vous allez? Coucou Ashley, coucou Mala, coucou One, coucou Mycen, coucou Ultraviolette, coucou. Ah, j'arrive plus à lire. June, Kakashi, Ligne Animée, Héloïse. Euh, Katitika, Juliette, euh, Magique Angélique, euh, 24Kaila, Léontine, Mélina, Alicia. Coucou tout le monde, merci beaucoup d'être là. Comment vous allez Eh bien écoutez, moi, euh, ça allait. Enfin, ça allait. Vous, vous allez voir, il va se passer pas mal de choses dans ce, dans ce live. J'ai besoin de vous parler. Euh, euh, Cyrine, merci, membre depuis 12 mois. Un an, merci infiniment. Merci pour ton soutien, Cyrine, ça fait trop plaisir. Coucou Laura, coucou Lince. Alors, euh, en vrai... Je suis méga occupée et surchargée. Oui, je suis en train de croiser mes jambes en même temps. Je suis super surchargée. Là, ça fait euh, bientôt trois semaines que je suis overbookée. Un truc de malade, je n'en peux plus. Je ne pas... peux pas être là pour la première. Je bisous. Ah, la première heure, ok, bisous. Euh, donc oui, je... c'est chaud patate. Je suis surbookée, mais euh, c'est parce que je voulais vous sortir donc la vidéo des résultats de challenge. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est sortie mardi, où j'ai vu une vingtaine de maisons, de vos maisons. Euh, J'ai sorti hier soir, je sais que c'était pas à la bonne heure, c'était pas à 17h, c'était à 21h parce que je n'avais pas le droit de sortir la vidéo avant. Euh, C'est hier qui a un embargo et qui nous empêchait de sortir la vidéo. Donc j'ai découvert le kit, le nouveau kit qui normalement va sortir euh, bah, d'ici une heure en fait. Là normalement vous devriez pouvoir l'acheter vers 19h. Donc c'est le kit d'objet à 9,99€ qui s'appelle création en cristal. J'ai fait la vidéo dessus, la vidéo dure 33 minutes et j'ai tourné au total 1h45. J'ai trop aimé, c'est un super kit, je l'aime beaucoup. Et si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas à passer euh, avec mon code créateur quand vous achetez sur eApp. EA ou euh, sur euh, Origine, à la fin de votre achat, vous avez un onglet qui s'appelle Code promotionnel, et si vous voulez me soutenir, vous pouvez euh, le faire avec mon code créateur conjureuse en le tapant dans le code promotionnel, et Ie me reversera 5% de ce que vous leur payez, au lieu que ce soit euh, 100% qui aille à eux, bah, ils auront 95% et 5% me seront reversés. Voilà. Donc déjà, ça, je voulais vous en parler, euh, si jamais vous avez envie d'acheter ce kit qui est vraiment trop, trop bien. Pour une fois qu'ils sortent un kit vraiment bien, je suis contente. Là, je vais pas vous le cacher, parce que vous savez que moi, je suis honnête. Hein. Quand un truc, je le trouve, il est nul, il est nul, et je vous le dis. Et quand je le trouve, il est bien, il est bien, je vous le dis. Par contre, j'ai besoin de vous parler. En fait, euh, les, les, là j'ai tourné juste avant, j'ai plus de. Pour vous dire à quel point je n'ai plus du tout d'avance dans mes vidéos, d'habitude normalement j'ai minimum 3-4 jours d'avance dans mes vidéos. Là, j'ai tourné juste avant le live la vidéo de demain, donc l'épisode 22 du Legacy Challenge. C'est-à-dire qu'après le live, il faut que je le monte, et j'ai la journée aussi de demain pour le monter, même si demain je dois tourner une autre vidéo. Bref, parce que ce week-end je pars, je ne suis pas chez moi, et donc je ne pourrai pas live dimanche, je suis à 7 heures de route de chez moi, pour voir des amis, etc. Donc. L'épisode s'est très bien passé. L'épisode de demain. Je pense que vous allez vraiment apprécier l'épisode de demain. C'est un épisode chill, cool. Par contre, j'ai écrit le machinima de l'épisode 23. Juste avant de live, là, j'ai écrit le machinima de l'épisode 23. Et je ne sais pas si je ne suis pas allée trop loin. Parce que je vous l'avais dit. Ça fait longtemps. Bonjour Stéphanie, bonjour Stressy. Ça fait très longtemps que je vous l'ai dit. Euh, il va avoir des dramas, il va avoir des dramas. Euh, des drames. Soyez patient, soyez patientes, etc. But, montre le son quand je Comme ça, mon son euh, est trop bas Mon son est trop bas Tu m'entends Vous m'entendez trop bas But, il faut, il faut, il faut que j'ai votre avis en fait là. Parce que vous êtes ceux qui sont en live la majorité du temps et je sais que vous regardez aussi euh, mon Legacy Challenge. J'ai peur. Mais vraiment, j'ai peur et je sais pas. Non, ça va, non, le son est très bien. Ok, bon, nickel. Je vous demande votre avis, d'accord Si ça vous convient. Les gens sur TikTok aussi, euh, vous êtes là. Il va se passer quelque chose de très 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 lourd et grave et dur. Je vais même devoir mettre euh, au début de l'épisode 23 un trigger warning au début de l'épisode euh, pour euh, si des personnes euh, sont sensibles à ce sujet. Euh, bah voilà quoi, euh, faites gaffe à l'épisode ou skippez. Même si en général vous savez que moi je, je vais parler du sujet, je vais le mettre de façon assez douce. Voilà, et je vais pas tergiverser et rentrer trop dans les détails en général. Mais je sais pas. Merci Laura, c'est gentil. Euh, je sais pas, euh, ouais, vous avez peur vous aussi, mais en vrai, je vous promets que je suis pas très bien parce que j'ai écrit, j'ai écrit une page entière de machinima, et euh, et je me dis punaise, euh, est-ce que je vais vraiment leur sortir ça Parce que vous savez, on a 10 générations dans le Legacy Challenge. Il y en a plein qui m'ont dit ouais, ton Legacy Challenge, il est super euh, positif, patati patata, mais euh, ça fait pas du tout réaliste, ça fait trop euh, love to love, euh, tout se passe bien et tout. Bon, moi j'ai écrit sur mon petit euh, téléphone, j'ai écrit euh, jusqu'à la génération 7, si je ne me trompe pas, les drames un peu que je voulais avoir et qu'est-ce qui se passerait dans chaque génération. Mais pour qu'on puisse euh, avoir après des générations un peu complexes, eh ben il faut bien qu'il commence à avoir un drame au bout d'un moment, tu vois. En vrai, j'ai trop peur. <laughs> je vous jure, j'ai trop 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 peur. Franchement, alors la personne qui dit que le son est bas, bon, n'hésite pas à monter ton son, toi, si tu peux monter toi-même ton son. Mais donc, ouais, j'ai super peur. Est-ce que, est que juste vous êtes prêts et prêtes Même si après, ça ira mieux techniquement dans le futur, on verra. Mais là, il y aurait un gros drame. Quelque chose de très, très dur pour Ambre. Pour toute la famille d'Ambre, en fait. Pour, pour les enfants, etc. Pour tout le monde, ça serait quelque chose de très, très, très dur à vivre. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts Oui. Oui, oui, je suis prête. Oui. Tu peux juste dire ta ta ta. Ah <rire> Non. <rire> Alors non, je peux pas vous spoil si je vous spoil maintenant en tout cas. Bon, il y aurait je peux vous dire un truc. Il y aurait deux morts. Voilà. Je vous dis pas qui. Je vous dis pas, je vous dis pas euh, si c'est humain, animal, si c'est enfant, adulte, je vous dis pas, mais il y aurait deux décès à l'épisode 23. Voilà. Voilà. Donc <laughs> Là, euh, on, on est sur quelque chose de, de très 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 dur, mais je peux pas vous dire, je peux pas vous dire. Voilà. Non, je ne spoilerai pas, j'ai déjà dit énormément de choses, voilà, j'ai déjà dit énormément de choses, euh, mais là... Euh... La génération euh, bah, donc la troisième génération celle euh, d'Océane euh, de son frère marin et vous le verrez à l'épisode prochain mais je vais vous mettre la miniature bah ah non j'ai même pas fait la miniature en fait parce que j'ai donné l'épisode aujourd'hui mais vous verrez euh, demain donc l'épisode 22 qu'il y aura trois enfants pour la deuxième génération enfin trois enfants découlant de la deuxième génération donc il y a trois enfants pour la troisième génération il y a trois enfants pour Ambre voilà parce que vous étiez beaucoup à me dire oui est ce que vous voulez est ce que tu veux que, que Ambre ait un autre enfant patati patata donc déjà Demain, un nouvel enfant arrive dans la famille Bloom. Voilà, déjà. Par contre, épisode 23, il va falloir être accroché, je préfère vous prévenir. Il va se passer des dingueries, mais je ne vous spoilerai pas. Je vous ai déjà dit beaucoup trop de choses, mais je veux juste, en fait, que vous soyez prêts et prêtes euh, à vous dire que, ouais, dans la famille Bloom, là, ça va être catastrophique. Et va... Mais parce que en fait, dans la, dans la vie, et dans la vie de tous les jours, il euh, y a des drames. Et d'ailleurs, je l'ai tourné un peu comme ça, mon, mon machinima, justement. Euh, j'ai voulu un petit peu remettre ce côté très réaliste de la vie que bah, quand par exemple on est enfant, Ambre, très clairement en tant qu'enfant, elle a eu une très belle vie. Euh, elle avait des super bonnes notes à l'école, elle avait un meilleur ami, ses parents étaient aisés, donc lui ont permis de faire des activités extrascolaires, lui ont permis de bien manger, de, de, de faire du sport, euh, de, de faire des activités créatives. Ambre a vécu dans un petit cocon. Et des fois, ça arrive. Hein. Euh, sinon, euh, bah, ce serait pas la vie. Il y a des choses qui se passent et qui détruisent tout. Et après, il faut reconstruire. Et bah, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui avaient envie qu'il se passe un peu ça, quoi. Et c'est normal. La famille Bloom va pas être parfaite pendant dix générations. Il faut bien que ça commence à chuter. Et la troisième génération. et ben, bah, je pense que c'est le bon moment pour que ça commence à chuter. Voilà. Mais je veux quand même vous dire que sachez que mes let's play, c'est toujours euh, dans, la, dans la joie et la bonne humeur, tout du moins j'essaye. L'épisode 23 va être un petit peu dur, mais on va essayer de rebondir au maximum. Et par la suite, voilà, ça va remonter un petit peu. Et si, et de toute manière, je vais euh, faire en fonction de vous. Si jamais je vois que l'épisode 23 vous a trop choqué, vous a fait trop de mal ou quoi que ce soit, imaginons, je n'espère pas, mais imaginons, eh bien euh, je ferai en sorte que la suite. De mon histoire s'atténue. Peut-être qu'il y ait moins de, moins de drames, tu vois. On verra, mais ne vous inquiétez pas, je vous écouterai, comme toujours. J'écoute vos commentaires, je lis tous vos commentaires. Voilà, mais, euh, mais là, il, il va avoir pas mal de choses. Voilà, je préfère vous prévenir, comme ça, vous, vous savez que vendredi prochain, pas demain, mais vendredi prochain, il se passe des dingueries. Le titre de l'épisode, ça va clairement être Ambre a tout perdu. Voilà, ça va clairement être ça, le titre de l'épisode. Je l'ai déjà trouvé, je le sais. Il y aura un machinima au début. Je, en plus, franchement, vu ce qui se passe dans le machinima, je sais même pas si c'est possible de, comment dire, de le réaliser, tu vois. Euh, donc, je sais pas encore. J'ai écrit tout le machinima, j'ai une page là, et je sais pas du tout euh, quels vont être les plans et tout. Je vais, je vais devoir taffer ça la semaine pro. Ça va être assez chaud. Par contre, vous savez quoi Je vais vous faire le petit sondage pour savoir ce qu'on fait aujourd'hui. Mais je vais vous raconter un truc positif. Là, je vous ai parlé d'un truc un peu négatif, je suis d'accord, c'est compliqué et tout. Voilà. Je sais que vous avez peur, je sais. Coucou, ça a l'air sérieux, qu'est-ce qui se passe C'est pour l'épisode 23, euh, Bubble, de, du Legacy Change. alors c'est sérieux, c'est sérieux par rapport. t'inquiète, ma vie, ça se passe bien, ma vie, tout va bien. Il je... n'y a pas de mort dans ma vie, tout va bien, d'accord Mais oui, il va se passer des trucs euh, assez hard. Mais ne posez plus de questions parce que je ne vous spoilerai pas, vraiment, je ne vous dirai pas. Je ne vous, dis pas, je ne vous dirai pas qui est mort, comment, quand, je ne vous dirai rien. Voilà. Mais ça va être assez lourd. Par contre, donc, euh, proposez-moi ce que vous avez envie qu'on fasse, s'il vous plaît, pour ce live. Si vous voulez qu'on fasse une réno des mondes ou si vous avez envie qu'on fasse un petit let's play en live pour jouer avec le kit d'objets création en cristal. Voilà. Si vous avez envie qu'on fasse autre chose, n'hésitez pas à me le dire. Mais là, comme je ne live pas dimanche, je me suis dit que ce ne sera pas forcément le, le, la rénovation des mondes. Si vous voulez qu'on fasse ça, on le fait. Je vais vous faire un petit sondage. Et quand je vous ai lancé le son. Ah Pardon, quand je vous ai lancé le sondage, après, je vais vous raconter quelque chose de plus positif sur un prochain let's play qui arrive le 11 mars. Voilà, ce sera un let's play super positif, super chill. Ça va contrebalancer avec le Legacy qui va partir en cacahuète, ok Ok, on est d'accord. Alors. Ah oui, donc si vous avez envie qu'on fasse la rénovation des mondes ou qu'on regarde vos euh, rénovations du challenge abonné ou qu'on fasse un let's play avec euh, le, le truc euh, cristal, là, dites-moi, dites-moi, je vous fais le sondage. Alors. Today. en vrai je suis très perturbée parce que j'ai écrit hein. oh, franchement j'ai un esprit qui est assez sombre hein, quand même hein. je me dis euh... alors on a rénovation des mondes vous entendez ou pas l'aspirateur quelqu'un passe l'aspirateur dans le couloir euh, voir vos challenges non vos euh, rénovations challenge à beau ok let's play Nouveau kit, cristal, hop. Et quatrième option, qu'est-ce que vous voulez? New kit, on a tous des mots comme ça. Bah oui, 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 Lily. Challenge abo, kit, 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 UTP. Kakashi, tu peux arrêter s'il te plaît de mettre ce mot parce que ça peut peut-être trigger des gens et j'ai dit que je ne répondrai pas. Voilà, donc on arrête là. Ou UTB, il y en a qui me proposent UTB. Ok, je vous laisse voter, je vous laisse voter pour le gage. Je regarde un petit peu ce que les gens peuvent me dire sur TikTok. Euh, tut 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 tut. Sinon, on se répond entre nous sur TikTok. Ouais, répondez-vous entre vous, parce que c'est vrai que je ne peux pas passer trop. Je suis désolée, les gens. Tu me donnes plus envie de jouer aux Sims. Eh ben, ça fait plaisir, Florine. Tu lèves combien de temps Je lève jusqu'à 20h. Coucou, Yuna. Création en cristal. Ouais, c'est super sympa, Angie, création en cristal. Je regarde un petit peu, là, les messages sur TikTok. Coucou, les gens. Donc... Nouveau let's play, lundi 17h, 11 mars. Let's play télé-reality, positif, mais c'est fini, la villa des amours. Pour l'instant, c'est fini. Par contre, l'amour est au ranch, ça commence. Oui J'ai euh, trouvé un ranch magnifique que j'ai rénové, retapé, etc. pour que ça colle avec mon let's play. Euh, j'ai créé les personnages. Euh, les animaux aussi, parce qu'il y a des chevaux. Et donc, euh, nous allons avoir des Sims qui cherchent l'amour, entourés de poules, entourés de chevaux, entourés de chèvres et de moutons, dans un ranch. Voilà <laughs> Oui, ça va être trop bien. Ça va être trop, trop, trop bien, franchement. Je pense que ça va être une ambiance. Euh, on va retrouver un peu Chestnut bah, Switch parce que cette map me manque, franchement. Je trouve que c'est une des meilleures maps du jeu. Je l'adore. Et euh, Sweetland, j'avais trop aimé. Mais là, euh, ça m'a ça trop, trop, trop manqué. Donc, je suis très contente qu'on y retourne. En plus, pour un côté un petit peu romantique. Et en fait, ça va être des, bah, des, des, des candidats euh, qui n'y connaissent rien. Genre, n'y connaissent rien du tout. Ils vont être habillés par la production avec des vêtements euh, cowboy et tout, tu vois, de ranch. Bah, ils n'y connaissent rien du tout pour gérer les animaux, le bédail et tout. Ils n'y connaissent rien. Donc ça, je pense que ça va être quand même assez, euh, assez pépite, assez cocasse. Voilà, on va bien s'amuser. Et le but, bah, ça va être euh, qu'à la fin, il y ait euh, un couple ou plus, voilà. Euh, il pourrait en avoir plus, euh, mais un couple qui gagnerait. Donc on est quand même un peu sur le. On n'est pas sur le même principe. Je vous explique un petit peu maintenant, je vous, je vous balance un peu les bails. On n'est pas sur exactement le même principe que la Villa des Amours, parce que la Villa des Amours, il y avait à chaque fois une élimination, à chaque fin d'épisode, et quelqu'un qui venait. Là, normalement, pour ce, ce let's play-là, j'ai pas envie de faire d'élimination. J'ai plutôt envie, en fait, qu'à chaque fin d'épisode, il y ait un couple euh, qui ait créé plus de liens qu'un autre et qui aurait. Un rencard euh, un peu de rêve, voyez un petit peu comme je sais pas si vous connaissez, sauf qui pêche sur Netflix. En fait, euh, j'aimerais bien donc à chaque fin d'épisode qu'il y ait une cérémonie qu'on voit quel coupe c'est le plus rapproché en fonction des barres vertes et des barres roses et à l'épisode d'après on démarre l'épisode. Par un machinima, je pense, parce que ce serait plus joli et, et plus cool pour vous, euh, où en fait on voit le couple dans un lieu complètement magnifique. Je sais pas si on resterait à Chestnut Ridge, euh, si on serait pas plutôt dans un côté un petit peu plus euh, moderne, luxueux, comparé à Ranch, vous voyez Voilà, et donc euh, je pense que ça va être super bien. Jijou, s'il te plaît, là t'es en train de spam, tu respectes pas les règles, tu vas être banni. Oh là là, on est en train de parler des trucs super positifs là, tu nous saoules, Jijou. Jijou, arrête de dire coucou 20 milliards de fois, en fait c'est... Quand t'as écrit des messages, t'as accepté des règles. Normalement, les consignes, c'est de ne pas spam. Là, tu vois, je t'ai dit bonjour en plus. T'avais pas besoin d'écrire 20 fois ton truc, hein. Bon, allez, j'y joue, ça m'énerve. C'est bon. Je suis désolée, je sais pas quel âge tu as. Tu as peut-être 9 ans, tu as peut-être 10 ans. Tu es banni temporairement. Voilà. C'est bon. Je te banne 30 minutes. J'espère en 30 minutes, ça suffira pour comprendre qu'on ne spam pas. Voilà. C'est tout. Mais donc voilà, euh, franchement je vous réserve des pépites euh, ce let's play, il va être good vibes, ça va être beau, ça va se passer en été avec le soleil, la chaleur à Chestnut Ridge, avec les animaux, les chevaux, on va kiffer. Franchement on va kiffer, je pense que vous allez kiffer. Donc voilà, par contre j'ai beaucoup beaucoup de, de taf là, parce que ça va me demander des machinimas, plus le machinima énorme du Legacy Challenge, alors que je ne suis même pas là euh, ce week-end. Euh, C'est un peu chaud à tête, mais ça devrait le faire. Euh, parce que j'ai très envie de vous proposer ben, du contenu qui vous plaise, euh, qu'on se renouvelle un petit peu et qu'on fasse des trucs sympas. Quoi. Voilà. Allez, trêve de blabla, c'est quoi qui a gagné Alors, let's play nouveau kit, Crystal qui gagne à 45%. Ok, ok, bah écoutez, on va partir sur ça. Je lance le jeu, je vous laisse encore voter un petit peu. Coucou Dominique, comment tu vas Tous les jours, je regarde s'il y a la suite du Legacy, tu veux dire Ah non, <laughs> c'est une fois par semaine le vendredi à 17h. Coucou The Queen, ça va bien et toi Je les banne juste avant toi, 38 aussi. Ah bah c'est pas grave, écoute, hein, elle a une heure s'il faut, c'est pas grave. Allez, à bandef, elle a une heure. Courage, ton travail sera exceptionnel, merci. Trop hâte de voir ça. Oui, bah en vrai j'ai trop hâte de, de vous sortir. Euh, parce qu'en fait, dans ma tête, ça rend trop bien. Genre ça va être trop euh, good vibes. Et je pense que ça va vraiment contraster parce que... Bah en fait l'épisode 1, donc l'épisode super positif et drôle tu vois parce qu'on va avoir des Sims c'est techniquement des candidats qui n'y connaissent rien avec les animaux qui donc ça va être drôle ils vont, ils vont, ils vont se faire bouli par les chevaux euh, et, et alors que bah deux jours avant on aura eu euh, le drame dans le Legacy donc au moins ça va nous faire un peu de bien tu vois on va dire allez ouh, on souffle un peu le Legacy ça se passe mal mais euh, même si on doit souffrir un petit peu le vendredi ben, on va pas souffrir non plus tant que ça vous allez voir ça ira ça et eh ben, le lundi, on, on repart au taquet. Alors, euh, donc, on fait une nouvelle partie. C'est bien ce qu'on ce qu est en train de me dire là. Ok, et eh ben c'est parti. Puis j'en ai fait tellement des nouvelles parties là dernièrement. Je vais nous mettre en jeu. On est à 123 membres sur 150. N'hésitez pas à devenir membre si vous avez envie de me soutenir. Euh, donc ça coûte 1,99€ et vous avez plein d'avantages sur la chaîne. Vous avez des emojis, 14 emojis à utiliser qui sont spéciaux que pour la chaîne. Vous pouvez mettre en commentaire sur les vidéos et sur les lives. Vous avez aussi un badge qui s'affiche à côté de votre pseudo. Vos messages sont mis en avant. Vous avez en plus de ça un une fois par mois, un super chat gratuit. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez envie de me soutenir et que vous le pouvez, ça me fait trop plaisir et ça m'aide vraiment beaucoup. Voilà C'est parti, nouveau let's play. Let's go, on va créer notre Sims Alors, oh Merci beaucoup euh, Lucélie pour le follow, bienvenue sur la chaîne Merci, merci vous êtes en vacances Moi, oui, euh, non, pas moi. <laughs> bah là, je travaille en fait. Coucou ma conju comment ça va Moi, super, j'ai passé une super journée. Coucou Lily, bah je suis contente pour toi. Coucou Marilyn. Coucou Chanel. Coucou Marjorie. Bah écoutez, ça va très bien. J'ai pu parler un petit peu avec vous, voilà, pendant le début du live, ça me fait du bien. Et donc là, maintenant, on attaque le new let's play. Alors déjà, comment on va l'appeler Vous avez des idées de prénom en vrai, euh, je sais pas, est-ce qu'on fait une famille ou pas Moi j'avais trop envie de faire une cimette euh, toute seule. J'aime trop commencer avec une cimette toute seule. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime trop commencer avec une cimette toute seule. Coucou toutes les personnes qui nous rejoignent Alors, prénom pour la cimette Jessie, d'accord. Julia, d'accord. Lilou, c'est mignon Lilou. Et. Euh, oula, j'arrive pas à lire. Ah, Mathilde. Allez, je vous laisse voter parmi ces quatre prénoms. Alors, ma très chère jeune fille, je vais te pimper la face, tu vois, à rien comprendre. Alors, les yeux, j'ai envie de mettre au hasard. Ah bah d'accord. Oh, oh, ça peut être sympa. Donc, des yeux bleus, if you want, avec cette forme, pourquoi pas. Mm -hmm. oh, oui, oui. Oh oui oui, 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 ça peut être choupi. Le nez, je ne sais pas encore. Merci beaucoup pour le follow, Zoé. Bienvenue sur la chaîne. Vous savez qu'on est bientôt à 120 000 Là, on est à 118 949. Donc je pense qu'on va passer aujourd'hui les 119 000. Mais les 120 000, je trouve que c'est un trop beau palier. J'aime trop ce chiffre. Genre, euh, franchement, je, je kiffe. Ouh, allez, on va espérer que la mèche tienne. Laura, il faut que la mèche elle pousse là. You know that. You know that. <laughs> donc, le petit nez, je fais une forme aléatoire. Mais j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes nez qui ressortent là. Bon, D'accord. Oh, il est choupi lui Il est choupi. Pourquoi pas Pour l'instant, c'est Lilou qui gagne. Oh, Lilou, en vrai, euh, moi ça me fait penser à... à un visage tout chou, tout rond. Euh... Je pense qu'elle pourrait avoir une tête de Lilou elle. Lilou Filou. Donc, elle va ouvrir un magasin hein, comme d'hab. En général, c'est ça hein, si on veut vendre nos bijoux. Je pense qu'on aura euh, soit un magasin, soit si on n'a pas de magasin, on a un stand chez nous. On peut aussi faire ça. Parce qu'un magasin, ça coûte peut-être plus cher en vrai. Et c'est peut-être plus compliqué qu'avoir un stand. Oula, qu'est-ce que je fais J'ai bien envie de lui mettre des sourcils un peu comme ça, euh, broussailleux. Oui, pour elle, bien sûr, je lui mets des CC, je me fais plaisir, t'inquiète. Oh là là, elle va être trop pipou. Alors, les nouvelles coupes de cheveux. Donc, je vais mettre par contre que ce qui vient avec le nouveau pack. Donc, ça, c'est l'épisode 1 de notre Let's Play en live avec le kit Création de Cristal. Qu'est-ce qu'il irait bien avec cette poupette-là hum... oh. Vous avez vu que le jaune, c'est jaune, mais jaune plus clair, c'est tout. Oh, j'aime bien rose. <laughs> Et là, c'est roux plus clair. Ok. Là, c'est violet. Là, Mais pourquoi avec rouge ils ont fait blanc Ah, je suis déçue. Ah, je trouve pas ça top. Hein. Ouais, oh, ils ont fait des mélanges de couleurs un peu chelou quand même. Hein. Oh my God. Non. Hmm. J'ai bien envie de lui faire les cheveux attachés. Et je la verrai bien, euh, Brune Ouais. Bon. Merci beaucoup pour le follow Priscilla Ah non, c'est même pas un follow T'es devenue membre Merci infiniment Priscilla pour être devenue membre, ça fait trop plaisir Merci beaucoup pour ton soutien Maintenant tu as accès à des informations d'avant-première dans l'onglet communauté de la chaîne, tu as accès à 14 émojis que tu peux utiliser te en commentaire sur les vidéos et sur les lives, tu as aussi accès à un badge qui s'affiche à côté de ton pseudo et qui s'affichera en fonction... Euh, qui évoluera en fonction du temps que tu seras membre. Et une fois par mois, tu as un super chat gratuit. Merci beaucoup Ça fait trop plaisir, merci merci donc, euh, j'en étais où Vous voulez qu'on l'appelle Lilou à 35% Ah, je vous laisse encore voter un petit peu. Ça se bat avec Jessie. Vous voulez qu'on fasse un mot interdit Après, oui, ça arrive. Merci beaucoup, lafitte, Fit Love, pour le follow. Bienvenue sur la chaîne. Merci, merci. Donc, cette poupette. J'aime bien cette coupe de cheveux, franchement. Donc euh, j'ai bien envie de, de lui mettre. Les accessoires. Alors, par contre, j'ai testé. Et on les a que après qu'on les ait créés. Et je sais pas si on, si on les enlève de nous-mêmes, de notre propre chef, si après on voit les bijoux qu'on a créés ou pas. Faudra qu'on teste. Par contre, ces bijoux-là, ils sont trop beaux. I love it! J'aime trop. Genre, je suis complètement fan. Ça a été fait en collaboration avec euh, Aritabi, donc euh, créatrice de contenu que j'aime beaucoup. Je vous ai déjà présenté. Alors, euh, pour ton visage, meuf, attends, on va faire un petit truc sympatoche. On va t'enlever les blocs noirs et on va te mettre des petits cils tout mimes. Oh elle est très mignonne. Je sais pas, il y a, y a une vibe, euh, j'aime beaucoup. Mais j'ai envie de lui mettre des cils assez, euh, assez légers. Vous voyez ce que je veux dire ou pas hum... Attendez, ceux-là, non, faut que je les enlève. Là, c'est genre euh, des cils beaucoup trop violents. On peut pas avoir plus léger. Il n'y a que en haut. Ah, oh, en vrai, ça lui fait. Oh, c'est pas mal que en haut. Il y a une vibe, non Je sais pas, j'aime bien. oh hein je la trouve super euh, super mims. Lilou qui gagne à 34 Ça se bat entre Lilou et Jessie, 32 pour Jessie, 34 pour Lilou. Allez, on part sur Lilou. Oh merci Laura pour tes 99 centimes. Merci beaucoup, t'as fait trop plaisir d'être gentil. Mmh, merci merci merci. Merci pour les nouveaux follow aussi. Euh, bienvenue Miss. Merci pour le follow, bienvenue sur la chaîne. Donc on a été où On en était que je voulais l'appeler Lilou et que vous allez me donner un mot interdit et je pense que je vais perdre très rapidement. Elle va s'appeler Lilou euh, Tsuki. Je sais que ça n'a rien à voir, mais Tsuki normalement c'est la lune en japonais. Oh, merci beaucoup Sabrina pour être devenue membre. Merci infiniment pour ton soutien. Oh, cœur, 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 cœur. Petit cœur coréen. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que je les ai pas fait les Coeur dis donc. Merci beaucoup pour ton soutien, ça fait que tu peux maintenant utiliser 14 émojis en commentaire sur les vidéos et sur les lives. Tu... Oh mais non, mais merci beaucoup mais... Euh, euh, Donc euh, vous avez toutes les deux accès, merci infiniment Julia Robelin pour euh, être devenue membre. Merci, petit cœur Coréen, merci beaucoup pour votre soutien, ça fait trop plaisir. Donc toutes les deux, vous avez euh, accès à des informations d'avant-première dans l'onglet communauté de la chaîne. La tête de mon Sims qui est... <laughs> <laughs> Parce que j'ai mis pause. Euh... <laughs> vous avez aussi 14 émojis que vous pouvez utiliser en commentaire de vidéo et de live. Vous avez une fois par mois un super chat gratuit. Vous me soutenez à hauteur de 1,99€ par mois et ça, ça me soutient énormément. Donc merci beaucoup, 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 beaucoup. Euh... Et vous avez aussi un badge qui s'affiche à côté de votre pseudo et une priorité des réponses en commentaire. Merci beaucoup. Trop d'amour. Alors, Cristal, oulala, là là, mot interdit, Cristal, oh, Laura, t'as recommencé Mais non. Mais merci, mais arrête Merci, mais arrête Laura, <laughs> arrête, stop, 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 J arrête, merci beaucoup. Euh, alors, mon interdit. Jennifer, merci beaucoup pour être devenue membre. Mais non, petit cœur coréen. Merci beaucoup, merci beaucoup Jennifer pour être devenue membre. Donc Jennifer Babin, tu as exactement les mêmes avantages que tous les autres membres. Les informations d'avant-première dans l'onglet communauté de la chaîne, 14 émojis que tu peux utiliser en commentaire de vidéo live. et de live, euh, un badge à côté de ton pseudo qui va évoluer en fonction du temps que tu seras membre, et... un super chat gratuit par mois et une priorité des réponses en commentaire. Merci beaucoup Donc, mot interdit, Crystal. Alors, Crystal avec un Y, sachez que c'est en anglais. Si vous l'écrivez en français correctement, c'est avec un I. Attention <laughs> C'est important. Après, bijoux. Ok. Quoi d'autre euh, Sims. Ah bah super, je suis pas dans les caca moi. Et Lilou. Ok, je vous laisse voter pour le moins interdit Donc, on est reparti. On va rechoper la petite Lilou là. <laughs> je l'avais figée la pauvre. Elle est trop mims. Je la kiffe. Et j'ai envie de lui mettre des petits détails de peau. Oh non, elle peut être trop mignonne. Ah oh, je sais pas. Je la trouve trop mignonne! Oh non, mais elle est trop mips! Oh, elle est trop chou! Je, je kiffe Lilou! Donc, Lilou Tsuki. Bon, Tsuki, c'est vraiment pour nous, on s'en fout, on l'appellera juste Lilou. Ok, maquillage, je la vois même pas particulièrement se maquiller en soi. Peut-être un truc euh, un, peu, un peu léger en coin. Ouais, voilà, un truc léger comme ça euh, sur le coin. Et euh, est-ce qu'on met un rouge à lèvres ou un trade liner? Merci beaucoup, c'est trop gentil. Je m'appelle Ilou. Oh tu t'appelles Lilou mais trop bien! Un petit blush, non même pas, j'ai même pas envie de lui mettre de blush. Et genre trop belle comme elle est là. Hum, Peut-être pour les lèvres, un truc léger. ou oh, oh. c'est pas du tout léger. Hein. Mais là, voyez? Ça fait comme une encre à lèvres un peu. Aïe! Ok, les vêtements. On veut les vêtements qui viennent avec le kit. Bam, bam, bam. Mm -mm. Mm -mm. Par contre, il lui faut une maison. <laughs> on n'a que ça en haut. Ah non, il y a ça. Il y a tout ça, c'est vrai. Comment on va l'habiller Je pense qu'elle va majoritairement avoir des robes. Je le sens. Parce que je l'ai trouvée magnifique, les robes. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, bah, vous, vous revoyez un petit peu euh, tous les vêtements. Et genre ça. C'est trop dans son style, je pense. Pas de cette couleur. Hein. Oh, en rouge et bleu. En bleu-marron. C'est pas vert. Violet. Vert et rouge. Mmh. J'aime bien rouge et bleu. Ah, j'aime bien rouge et bleu, vous aimez Ah, je la trouve trop belle comme ça. La coiffure, on dirait Elvis Presley, je hurle. Ah bon Mais non Arrête, on dirait pas ça. T'abuses. <laughs> T'abuses trop. Alors, pack, on va se mettre... Tuc 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 tuc, création en cristal. On a cette petite euh, bague, pourquoi pas Je vais la mettre en doré. Celle-ci aussi. Et les bas, est-ce que je les mets Non, ça va avec cette tenue. Par contre, chaussures. Hop, pack, je vais mettre... Oh Il y a encore eu un nouveau membre Mais non Merci beaucoup Charlotte pour être devenue Merci infiniment, on est 128 membres sur 150. Merci beaucoup, on se rapproche du palier, c'est adorable. Merci infiniment. Vous savez qu'à 150 membres, je fais un jeu d'horreur avec vous et c'est un jeu d'horreur qui fait peur. <laughs> et moi j'aime pas les jeux d'horreur qui font peur, je flippe. Genre j'arrive à les regarder mais même quand je les regarde en rediffusion de live de quelqu'un d'autre, j'ai peur, OK, j'ai peur. Alors si c'est moi qui joue avec le casque dans une ambiance sombre, je vais crever. <laughs> <laughs> Mais bref, merci beaucoup pour être devenu membre. On se rapproche petit à petit des 150 membres. Merci Charlotte, tu as accès à des informations d'avant-première dans l'onglet Communauté de la chaîne. Tu as 14 emojis que tu peux utiliser en commentaire sur les vidéos et sur les lives. Tu as aussi une, une fois par mois un super chat gratuit, un, un, un badge qui s'affiche à côté de ton pseudo et qui évolue en fonction du temps que tu seras membre. Et euh, priorité aux réponses en commentaire. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Bye bye Sabrina, gros bisous trop gros gros bisous. Alors on continue. Ah non la bague, la bague elle fait bugger. Celle-là elle fait bugger. Et l'autre aussi elle fait bugger. Elle fait bugger mes cils. Oh non j'ai drôle ça. Les bagues font bugger mes cils. Ah non. Oh non chouchou. Le but c'est qu'elle fasse des bagues non Au pire elle porte pas de bagues. Elle va toutes les vendre. Ça passe. Tu 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 redresse ton dos. J'ai bien envie que aies un peu de poitrine quand même. Moi j'en ai pas donc euh, écoute si tu peux avoir un peu de sang ça me va euh, comme ça hop un peu plus de volume donc cette robe là je la kiffe et en chaussures on avait dit on a celle-ci mais ça va pas trop avec le style là, peut-être mieux ça on l'a en rouge c'est pas le même rouge ou alors faut le bleu foncé pourquoi là il n'y a aucune couleur qui va avec la robe mais c'est quoi ça mais les gars vous avez abusé là bon on va mettre ces chaussures là la tenue habillée, alors on va mettre cette robe-ci qui est sincèrement canon et on va la mettre dans, la, dans les tons rouges avec cette paire de talons. Par contre, ouais, ils ont pas très bien respecté le, le thème coloré là. Hein, ils ont un petit souci technique hein, de couleur. Hein. <laughs> c'est pas grave, pas grave. Et rose. Ouais, non. Allez, ça, c'est bien. Ok. La tenue de sport. Euh, on a un haut pour le sport ou pas Qu'est-ce qui pourrait faire sport Ça, en vrai, ça peut faire un peu sport. Ouais. Et le bas. Euh, un legging. Non, bah non. T'es habillé chaud en bas. Bon, petite set, celui-là. Oh non, pas du tout en fait. Ce pantalon-là, en marron. Euh, un short. De toute manière, tu vas pas faire beaucoup de sport, moi je te le dis. Hein. C'est pas le but. <laughs> Ce n'est pas le but. Tu, 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 tu. Ah zut, j'ai enlevé création en cristal. Bon, tu nous mets des baskets comme ça, voilà. En blanc, parfait. Tenue de dodo. Hmm. Ça, ça peut faire pour dormir ou pas bah, pff, Ouais, en vrai, pourquoi pas hein. Ça passe. En rouge, on est sur la thématique rouge. Voilà. Tenue de fête, celle-là. Euh, de cette nuance, celle-là. Les talons aigus, par contre, j'avoue. <laughs> Un peu violent, euh, je vais remettre le kit. Attendez, je sais plus, j'en étais là. Ah oui, pack, le dernier kit. 100 baby challenge, please. Non, on n'en fait pas de 100 baby challenge. C'est pas ce qu'on fait. Voilà. Hum, je vais mettre ces chaussures-là. Très bien. Tenue maillot de bain. Je pense pas que tu vas aller beaucoup te baigner, ma poupette. Euh, si tu veux, tu gardes ça. Tenue temps chaud. Bon, ça, ça peut faire tenue temps chaud aussi. Juste, on lui met dans une autre couleur. Allez, celle-là. Oh oui, ça peut être joli. Et euh, chaussures, on remet ça. Hop, en bleu clair. Pourquoi pas Bleu pas un peu plus foncé. Ah! Oh, ça va bien. Les couleurs vont bien. Joli. Et tenue temps froid. Bah. Si, on a un pantalon normalement. On a un pantalon avec le nouveau, le nouveau kit. Where are you, le pantalon? Alors, le mot interdit, c'est Crystal qui gagne à 35%. On vote pour ça. Allez, à partir de maintenant, si je le dis, j'aurai un gage. À partir de maintenant! Coucou CS, on est en train de faire un let's play sur le nouveau kit qui vient juste de sortir. Alors, euh, hop, hop. Oh oui, ah oui, 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 cette jupe est magnifique. <lush> so beautiful. Ta -na -na -na, tuteur, t potato, t so beautiful. J'ai envie de mettre ça pour ton froid, mais hein, je suis pas sûre que ce soit le meilleur truc. quoi. Mais c'est Mims. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ok. Ok, en vrai, j'espère qu'on la verra majoritairement dans cette tenue-là. Donc, Lilou, il faut que tu sois dans nature et artisane du. Et j'ai pas le droit de dire le moins interdit. Elle va être quoi Je pense qu'elle va être créative. Euh, je pense qu'elle va être quoi D'autres fabricantes Ces sims sont heureux lorsqu'ils fabriquent des choses et deviennent tristes lorsque ça fait longtemps qu'ils n'ont pas créé quelque chose avec la machine à fabriquer, la station de fabrication de bougies, le pétilleur ou l'établi d'ébéniste. Ouais, mais ça, voilà, ils, pas, ils comptent pas là-dedans notre truc à nous, quoi. Je pense qu'on peut la mettre perfectionniste parce que pour faire des bijoux, il faut être perfectionniste. Qu'est-ce qui se passe Yannick Qu'est-ce qui se passe avec Yannick Non, je peux pas dire le nom du kit Inès, tu sais que c'est le moins interdit. Vous êtes méchante. Pourquoi on est méchante Yannick Alors, mes modos, euh, Je ne sais pas ce qui se passe dans le chat, j'espère que vous arrivez à gérer. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Elle va bien, ça Edine Emmanuel, elle va très bien. Elle va très très bien. Alors, on lui met quoi d'autre à part euh, créative et perfectionniste hmm, Je pense qu'on pourrait la mettre, euh, peut-être, ouais, bienveillante. Comme ça, elle pourrait euh, ramener des gens, rameuter des gens. Ça pourrait être pas mal. Ok, on part sur ça. En vrai, par contre, j'ai trop envie qu'elle ait un animal de compagnie. Pas un, pas un cheval, on va pas avoir un cheval, tu vois. Mais un, un chien ou un chat un chien ou un chat Je peux plus tenter par les chats. Allez, un petit chat. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer au hasard Vas-y, je fais au hasard. Ok. Ok. On dirait... On dirait pas un chat Oh Oh <laughs> Trop chou Chat, chien, chat, chat, chien. Je vous fais un sondage Allez, je vous, un sondage. je vous fais un sondage. Je vous fais un sondage. Je vous fais un sondage. Et je vois en même temps toutes les races. Oh, c'est quoi ça American Wire Air. Le baliné. Le baliné est joli, normalement. Euh, voilà, il fait un peu peur. Le Bengale! Saijin, c'est une croisée Bengale! Saijin, c'est une Bengale! C'est une Bengale comme ça, Oh Boubou! Sacré de Birmanie, c'est très très beau, Sacré de Birmanie aussi, j'aime beaucoup. Le Ragdoll! Ah oui, le Ragdoll! Avec mon, mon chéri, on aimerait bien plus tard euh, avoir un Ragdoll. Mais là, on a déjà deux chats, parce que j'ai mon chat à moi, donc Saijin, et euh, lui aussi, il a un chat. Donc bref, euh, déjà, faudrait que nos deux chats euh, s'acceptent. <laughs> voilà, voilà! Pas de spam, GG YouTube, s'il te plaît. C'est les règles du chat, c'est les consignes. Quand tu veux écrire un message, normalement, les consignes sont affichées. Là, tu spams. Tu... tu écris plein de messages, c'est pas normal. Pas de soucis, Léa. Coucou, Mimi, on est en train de commencer notre nouveau Let's Play. C'est chat qui gagne à 60%. Ok, ok, ok. Bah écoutez, on va partir sur ça. Ça, c'est Angora. Oh non, tu te mets à faire caca là, sérieux. C'est Angora, ça Ouais, Angora turc. Le saut. So oh! Non mais arrête de faire caca! Mon, mon chéri il aime bien le Somali. Alors moi je suis pas spécialement fan, j'avoue. Le Siamois. Le Siamois ça, ça peut être un chat. Euh... Pourquoi pas en vrai le Siamois? J'ai bien envie. Allez. Tu vas t'appeler comment? Gubi. Oh, c'est pas mal! Non, allez, Ruby. C'est plus logique. Oh, bah ça n'a pas écrit le U. Et ce sera Tsuki, ton nom de famille, comme nous. Alors tu es quoi Tu es bavarde, tu vas être affectueuse et amicale. Voilà. C'est parti Donc ça va s'appeler Let's Play. J'ai pas le droit de dire le mot. C'est le mot interdit. Et voilà oh, Ils sont trop choux. Let's go Ah, je savais pas. Je peux faire un chat. Ah bah... Je, bah il, a, il a un peu roux quand même. Cap ou pas cap de, de quoi, euh, CS, moi je fais pas des cap ou pas cap, moi je fais pas ça. Mon ancien si chat était un siamois. Oh, alors, on va démarrer en été parce qu'on veut que ce soit joli. Voilà. Voilà, voilà. Oui. Alors alors. Bah écoutez, j'ai quand même envie d'aller à, à Glimmerbrook, hein. non? On y va? On y va? On va à Glimmerbrook. C'est une bonne map. Je sais pas. On la mettrait où sinon Parce que Glimmerbrook, vous voyez, c'est là où ça va le mieux passer. Oh non non, merci beaucoup pour être devenu membre, merci infiniment. Petit cœur coréen, merci beaucoup. Donc tu as accès à des informations d'avant, tu dans l'onglet communauté de la chaîne. Tu as 14 émojis que tu peux utiliser en commentaire sur les vidéos et sur les lives. Une fois par mois, tu as un super chat gratuit. Tu as maintenant à côté de ton pseudo un, un émo... Un, 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 un badge qui s'affiche et qui va évoluer en fonction du temps que tu seras membre. Et tes Commentaires sont en priorité pour mes réponses. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci, merci. Vous voulez aller sur quelle map Tu peux faire des souscriptions. Euh, Papa, pas, non, ce sera le mois prochain, Maëlia. Euh, je trouve mes CC, Eugénie. J'ai fait, fait une playlist avec plein de vidéos dessus. Glimmerbrook. Glimmerbrook. La map de loup-garou. Oui, oui. Après, on va avoir beaucoup de loups-garous sur la map de loups-garous, j'avoue. Donc, en map un peu occulte, on a bah, celle des vampires Forgotten Hollow, euh, Glimmerbrook, celle des sorciers, et euh, Moonwood Mill, celle des loups-garous. Glimmer, monde magique, monde magique. Allez. Glimmerbrook, ok. Ok, ok, ok. Euh, par contre, on serait sur quel terrain Sur le même que j'étais la dernière fois je crois même que j'étais hier. Ou peut-être celui-là pour changer. On peut aller sur celui-là, mais on va le. on va le retaper, je pense. On va genre passer le terrain en bulldozer. Et on va aller essayer de se choper une maison sur la galerie. Ça pourrait être sympa. Comment on fait pour devenir membre C'est à côté de s'abonner, c'est rejoindre la chaîne. C'est un petit sub. Alors nous voici arrivés, juste là, très bien, nous avons donc 20 000 simflouz, alors je ne vais pas tricher hein, pour ce let's play, pas du tout, du tout, du tout, ce n'est pas le but, là on va vraiment essayer de se concentrer au maximum, donc à a 20 000 simflouz de départ, on va essayer de se trouver une maison euh, sur la galerie, parce que j'ai pas trop envie non plus de passer trop longtemps à construire, j'ai vraiment envie qu'on commence à jouer, euh, déjà qu'on va, je pense, pas mal rénover la maison pour qu'elle soit dans notre style et qu'on ait les meubles qu'on veut, euh, et après on va essayer de faire donc l'aspiration, et pas mal d'autres trucs qu'il faut qu'on fasse avec ce nouveau, euh, bah, ce nouveau kit. Donc, terrain 30 par 20 avec euh, entre 10 et 20 mille. Je vais mettre plus populaire ou plus récent. Qu'est-ce qu'on a Glimmerbrook Watch. C'est pour commencer à faire euh, des bijoux. Chose de beau. Elle est mimes, j'aime bien. Après, j'ai bien envie de mettre un petit hashtag genre... Euh, Glimmerbrook. <laughs> Ça pourrait être sympa. Ou alors, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre comme hashtag mmh. bah, En fait, le... techniquement, le, le... le kit n'est pas encore sorti, donc personne n'a mis des trucs avec. Mais on peut déjà mettre Glimmerbrook, je pense qu'on peut trouver des trucs sympas. Oh Cozy Teen Witch Starter. Oh Elle a l'air jolie cette maison. Il y a celle-là, Glimmerbrook Starter. Elle est Mims aussi. Il oh, y a des beaux trucs. Hein. Oh là 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 là. Ah, moi j'aime quand c'est beau comme ça. Mais celle-là, elle, elle est belle. Hein. Elle est très très belle. Elle coûte 17 000. Je trouve ça Mims, non Après, on est... nous on n'est pas une sorcière, tu vois. On n'est pas une sorcière. On va les voir à l'intérieur, ça peut être joli. Tu joues à Animal Crossing Bah je... T'as qui comme, comme villageois, dis-nous alors, ah oh non, l'entrée. Ah si, c'est bon, l'entrée elle se fait par là. Ah non, ah non l'entrée elle se fait pas au même endroit Attendez, perdu, <laughs> je suis perdue là. Je suis perdue. Donc là, on aurait de quoi euh, jardiner si on veut. Par ici, hein, c'est chouette. Là, on a un étendage. D'accord. Bon, ça, techniquement, on n'en aurait pas besoin. Bah, ça fait bizarre par contre, quand même, que la boîte aux lettres soit là-bas, non Bon, quoique pas tant que ça. Est-ce que vous l'aimez bien cette petite maison Alors, à l'intérieur, ça ressemble à ça. Je pense qu'on peut bien changer le style pour que ça nous corresponde un petit peu plus. Hein Conjure, il y a un créateur de la galerie qui fait des trucs. Trop beau. Ah, c'est qui Giboulin Comment on fait pour jouer en multijoueur local ou en ligne C'est pas possible, Inès, à part si tu as le mode Sims 4 euh, multijoueur. Très mimi. En vrai, elle est mime ça. Hein Franchement elle est mims. Et l'autre que j'avais vu que j'aimais bien, euh, je crois que c'était celle-là. Que je trouve assez aussi euh, mignonne. Hmm. Ah quoique cette partie là, ça pourrait être la zone où on crée nos, nos bijoux. Elle est mignonne aussi, celle-là. Attendez, je regarde encore un petit peu. Qu'on qu rate rien. Oh, oh elle m'attire de ouf, celle-là. Oh J'aime trop. Genre j'aime. J'aime trop. Oui, résidentiel pourquoi Ah, c'est mini-maison mini résidentielle, vas-y. Attendez, parce que je pense que celle-là, il y a moyen qu'elle ait, elle ait encore plus de potentiel. Donc, pareil, l'entrée se fait par là, par contre. En soi, c'est pas très grave parce qu'on n'a pas de, de voiture. Bon, par contre, là, ça fait un, un bug. Alors attendez. Oui, ça, ça bug. Ça faudrait que je supprime. Et, non, pas ça. Euh, je sais pas ce qu'il faut que je supprime. Ça. Ok. Waouh oh Elle est jolie, non, celle-là Et là, on pourrait ici mettre notre stand Ça passe, non Elle est trop belle, on est d'accord Elle est trop, 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 trop belle, cette maison. Et en plus, c'est une mini-maison. Donc, euh, c'est donc bien, on aura des avantages, normalement, quand t'as une mini-maison. Charge allégée, bien-être permanent. Alors, je pense qu'on va se mettre euh, Fantastique Sol. Pourquoi pas euh, fait généreuse, les Sims trouvent souvent de l'argent à cet endroit. C'est comme s'il y avait une genre de fée secrète. Bah, pff, je sais pas comment ils les trouvent, euh... enfin, l'argent en vrai. Studio d'artiste euh, les compétences peinture, écriture. Bah, ce serait bien qu'on ait un truc qui augmente euh, l'autre compétence plutôt que peinture, écriture, mais bon. Brise vivifiante pour faire de, de la machin. Ensoleillé, euh, ouais. Ou alors cuisine de chef si on veut cuisiner. Ou lumière naturelle. La peinture, la photographie. Bon allez, pourquoi pas. Ok, euh, est-ce qu'on lui mettrait un défi de terrain Je sais pas. Pas forcément, non. Il n'y a, a pas forcément besoin de mettre un défi de terrain. Donc ça, c'est super, euh, Mims. Mais je pense qu'on va... Euh... Ouais, comme ça, ici, on pourra mettre notre petit stand. C'est pas mal. Alors, regardons à quoi ressemble la maison à l'intérieur. Oh, trop chou. Et là, c'est un peu abîmé et tout. J'aime trop. C'est trop bien. C'est trop bien fait. Oh là 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 là. Il nous reste combien Il nous reste 5000, d'accord. Donc, oh c'est mélangé avec le pack loup-garou. C'est pour ça. Est-ce qu'elle va avoir un amoureux Bah, on verra bien, on verra bien. Pour l'instant là, c'est pas c'est pas son objectif premier. Alors par contre, j'ai vraiment envie qu'on utilise beaucoup de choses qui viennent avec le nouveau kit. Donc, on va aller checker euh, tous les meubles. On n'a pas de lit qui vient avec le nouveau kit, euh, donc bon pour l'instant, va on va laisser ça. Cette lampe, ma foi, je pense qu'on peut la virer. Euh, ça, je l'enlèverai bien et à la place. Bon, je pense que ça coûte un peu cher quand même, mais je mettrai trop ça. C'est trop, trop beau. Voilà. Magnifique. En comment, quelle couleur Ouais, donc tout ça, là, c'est les... tous les objets qui viennent avec le nouveau kit d'objets. Magnifique, magnifique, magnifique. En blanc, en bleu, en blanc. Je vais détruire ces tableaux et je vais mettre à la place euh, ça. J'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Et je le mettrai avec une peut-être comme ouais comme ça en plus grand ouais ça peut être sympa je mettrai bien le tapis aussi alors là il y a déjà un tapis euh, là il y a ce tapis là pour l'entrée il coûte zéro il vient du débogage ouais bon on va peut-être les laisser ces tapis là là par contre je mettrai notre beau tapis oh ah ouais il est magnifique ce tapis Waouh, il est trop beau. Et on aime bien le rouge, nous, un peu. Donc ça pourrait être bien qu'on ait un peu du rouge. Euh, si on enlevait ici qu'on mettait notre canapé Pourquoi je peux pas Ah, oh, faut que je mette le move object. BB. Move object on. Me. Oui, parce que le Better Bulba, ne fonctionne pas. En ce moment, il ne fonctionne plus. Bah, en vrai, attends. Hop, toi, tu dégages. On a besoin que d'un canapé. Alors, par contre, il est un peu petit. <laughs> C'est vrai Crotte. Ah, oh, magique angélique, membre depuis 6 mois déjà Dans les herbes de... Dans les herbes de prairie, on peut trouver des cris... ou j'ai failli le dire, c'est bon. Ou autre, ça pourrait peut-être... Ah ouais On peut trouver dedans Ah, je savais pas. Bah écoute, on va mettre ça, si tu le dis. On va mettre le défi herbe de prairie sauvage. Donc, euh... bah, ça fait un peu ridicule, là, si mon, mon canapé, il est comme ça. J'avoue, ça fait un peu ridicule. Ah, j'ai pas la couleur que je voulais. Ah, je suis un peu triste. Mais les est beau ce canapé. J'aimais bien. Mais en vrai, on a de l'argent. Ça va. <laughs> je sais pas. Je sais pas. Ici, je verrais bien ce meuble-ci. Comme ça. Attendez, mais il faut qu'elle laisse sa zone de création. Moi, je suis bête. Je suis bête, bête, bête. Bah oui. Je pense que là, on peut avoir le coin canapé. Euh, comme ça. Avec le tapis comme ça, je pense que je vais mettre le coin canapé ici. Alors cette lampe, euh, bon c'est pas la plus belle mais bon, on verra. Euh, non quoi que. Le tapis, le tapis je vais le mettre au centre de la pièce ici. Ah ouais ça fait très bizarre là par contre. Ou <laughs> alors je le mets juste pour la zone euh, de, de vous allez vous allez comprendre vous allez comprendre. faut que vous compreniez parce que si vous comprenez pas on va pas s'en sortir. Cette plante, je... enfin cette lumière je l'aime pas. Hop, je vais mettre ça comme ça. Ok, ça me va. Donc là, je mettrai avec un bois clair. Oh, on est parti sur du clair. Donc en vrai, euh, on peut rester sur du clair comme ça. Le vert est joli aussi. Ah, le bois est joli aussi. Punaise, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Merci d'ailleurs d'avoir regardé ma maison mardi, ça m'a fait trop plaisir. Avec plaisir, original. Coucou Naï, ça va bien et toi Alors, donc, il nous faut cette table-là, la table de gémologie. Voilà, voilà. Ça, ça va vendre et vendre. Très bien. On a encore de l'argent, donc euh, franchement, ça va. Franchement, ça va. Euh... Bon, c'est pas le meilleur coin salon, j'avoue, euh, que je suis en train de faire là. <laughs> oh, attendez. faut que je mette monde magique. Parce qu'on a un truc trop beau avec monde magique. Il est où Mais oh, bah oui Mais bah oui Mais bah oui Mais bah oui Mais carrément oh, Trop beau Oh, j'adore Mais par contre, là, ce que je suis en train de me dire, <laughs> c'est que ça va pas, ce que je suis en train de faire. Hop, tu vas aller là. Oui, là, c'est pas mal, là. Là, c'est pas mal. Euh, toi, tu vas aller là. Ah oh, punaise, je sais, je sais pas ce que je fais. Non, la table pour euh, Miam. En vrai, on n'a pas besoin de quatre chaises. Hein. Deux, c'est largement suffisant, comme ça... On déplace comme ceci. Voilà. Et là, on peut mettre le tapis ici. Bon, par contre, je l'ai mis en rouge, mais ça passe pas trop. Je vais plutôt mettre de cette couleur-là. Et je le mets là, le canapé Oh, ça fait bizarre. Non, je fais comme ça. Ouais. Ok. Ok, trop bien. Oh trop, trop bien. Trop, 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 trop bien. Après, on a ça. Ah oh, ouais Bon, il faut quand même que je fasse gaffe à l'argent. On. <laughs> Vous pouvez pas me le rappeler qu'il faut que je fasse gaffe à l'argent quand même. Mais c'est trop stylé comme ça, j'adore. Oh donc t'as en blanc, mais le bois clair comme ça, il est magnifique. Hein. Oh, oh j'aime bien. Bon, ça, je le mets en blanc quand même pour avoir un peu de contraste. Oh, j'aime trop, c'est trop beau. lit. Ok, ok. Bon, soit. Donc, là, on a ça. Par contre, les murs. Oh je veux trop mettre le nouveau mur. Je veux trop mettre le nouveau mur. Il est trop beau. Il est trop beau. Attendez, quelle couleur il est si beau. Il est si beau. On a, on a avec la version blanc comme ça aussi. Ah, je sais pas. Non, je pense que je peux mettre blanc dans la chambre. Et là, je mets beige de partout. Est-ce que je fais un petit contraste J'ai quoi comme contraste J'ai gris. Ah non, c'est trop violent. Gris pour l'entrée. J'ai envie de mettre ce mur de partout, mais non. Calme nous nom, calme mon Merci beaucoup, Zoé, pour être devenue membre. Merci infiniment pour ton soutien. Merci, merci, merci. Donc maintenant, tu as accès à des informations d'avant-première dans l'onglet Communauté de la chaîne. Tu as aussi un badge qui s'affiche à côté de ton pseudo et qui va évoluer en fonction du temps que tu seras membre. Tu as une fois par mois un super chat gratuit. Et euh, tu as 14 émojis que tu peux utiliser en, en commentaire de vidéo et de live. Merci beaucoup. La maison va être trop belle. Franchement, ça va être canon, 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 canon. Je suis trop contente. En vrai, je trouve que bah, ce kit. Franchement, c'est un des meilleurs derniers kits, quoi. Trop 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 beau. Trop contente. Ih Allez, on continue. Bon, faut quand même que je fasse gaffe à l'argent. Vous, vous voyez pas combien il me reste, mais il me reste 2800 actuellement. <laughs> faut faire gaffe, quoi. Voilà, conju, faut faire gaffe un petit peu. Juste un petit peu. Ah Mais oui, mais c'est trop, trop tentant. Là, c'est les trucs de gemmes, de il me les faut. Bah oui. Après je pense que je vais en mettre qu'un parce que ça coûte 210. Ça coûte une blinde. Je vais l'agrandir et je vais mettre comme ça ici. Bam, tu vois. Ça, franchement, ça passe. Franchement, ça passe. Ok. Euh, oui, l'entrée ressemble à ça. C'est un peu. A... Bon, C'est même pas qu'un peu abîmé. Ouais, est... Bon, il est complètement défoncé ce miroir-là. Je pense que je pourrais mettre l'autre miroir. Hein. C'est pas... pas plus mal. Celui-ci, il coûte combien 250 150, celui-là. Oui. bon. On va mettre lui. On n'a pas le choix. Ça fera le taf. Alors, la salle de bain. Oh waouh, c'est trop beau J'adore J'adore, j'adore. En vrai, le pouce on n'en a pas besoin. Elle se lave les mains dans... Ça, ça suffit, quoi, tu vois. Ok, 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 ok. Donc, euh, là, ça me paraît bien. Là, ça me paraît bien aussi. En vrai, les documents, on s'en fout. Ça, on s'en fout, comme ça, on gagne de l'argent. Ce miroir-là, on s'en fout aussi, on n'en a pas besoin. Ok. En vrai, c'est pas mal, là. C'est pas mal, comme ça, on a économisé... On a 2593. Waouh wow Alors par contre ouais la gazinière là c'est rip le truc quoi. Tu m'étonnes que ça coûte pas cher en fait. Mais le pouce mou, je m'en fous, j'en ai pas besoin, c'est pas utile dans les Sims. Euh, je mettrai pas de rideau ici. Mais j'aimerais quand même bien qu'elle ait euh, un frigo... Ah euh... oh, celui-là il est beau. Il peut... il peut aller dans notre style ce frigo là. Et une gazinière On a plus l'argent. C'est 2008 celle-là. Attends j'enlève, euh, j'enlève, euh, je mets jeu de base. D'argent, on est pauvre! Ok, celle-là, ça passe. Euh, mais c'est pas du tout dans notre style, là. <laughs> j'ai tout dépensé avec le frigo, j'abuse. Je... Ok, ok, on se calme. Je vais mettre celui-là. En beige. Non, je... peut-être celui-là. Oh my god, il est pas beau du tout. Mais lui, coûte 2000! Euh, bon, j'ai pas le choix. Ah, j'aime pas que ce soit autant moderne, j'avoue, euh, ça me perturbe. Bon c'est pas grave. En vrai ça passe. Ok donc là il me reste 813. Je pense qu'on peut détruire ce tapis. Oui, ça rapporte un peu d'argent. Très bien. Ok. Est-ce qu'on est bien là? Ça me paraît sympa. Ouais. En vrai, est-ce qu'on pourrait pas virer quelques plantes Là, on s'en fout, ça fait gagner 40. Euh, ça, c'est du Non, c'est du débogage, ça. Oui, ça fait gagner 0. Donc c'est du débogage. On va laisser un peu toutes les plantes. Très bien. Cette plante-là, c'était du débogage aussi, donc on peut la laisser. Bon, on va devoir finir par tout laisser dans tous les cas. Ok. Il me reste 900 Simflouz. Ah, mais attendez, je crois qu'il me manque un truc, moi. Euh, il nous manque la le. un bidule chouette. Oui, ça. La grille de cristaux, c'est trop important. Il nous la manque. Mais en plus, il va falloir la mettre dehors. Bon, on va la mettre ici. Elle coûtait 50, ça va. Elle coûtait pas trop... En vrai, elle coûtait pas trop cher. Je pense que ça, on peut virer cette lumière, on la met au centre de cette table-là. On... Techniquement, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, on va essayer d'économiser et commencer à jouer. Alors, je vais mettre les lumières en automatique, bien entendu. Voilà. Et donc, première chose à faire, c'est trouver des cristaux ou métaux. J'ai pas dit le mot interdit, parce que le mot interdit, c'est au singulier. Donc, ça va. Conjure le chat. Conju est appelé à l'accueil du chat. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe le, le chat Conju, l'oublie pas. Pardon J'ai j'étais trop concentrée. Ah le chat Le chat Le chat <laughs> Et la litière, elle va être dehors, la litière, celle-là. Je pense que je vais la mettre dehors. Je ne sais pas où la mettre parce que là, il n'y a pas la place. Ou alors dans la chambre, en vrai. Oh, mais comment je suis tteu, moi Allez, la litière, elle va être là. Voilà. Oh la te? On aurait dû dire miaou <laughs> depuis tout à l'heure. Où est le <laughs> Oui, bah oui, on est là. Oui, je sais. Mais j'ai pas compris. Bon, alors, écoutez, tout va bien. Je vais remplir la gamelle et appeler Ruby pour qu'elle vienne manger. C'est une femelle d'ailleurs, je ne savais même pas. Et il faut qu'on aille chercher des cristaux. Bientôt, les faits, enfin, j'espère. Mais moi aussi, j'espère trop. J'espère trop, 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 trop. Tu nous as oublié. Mais non, je vous ai pas oublié, mais je parlais trop, en fait. Enfin, j'étais dans ma construite, tu vois. Donc, on va nourrir. Oh, elle est si belle, Lilou. Oh, regardez-moi ça billet choupis aussi. Vas-y. Ok, bon, ça déjà, ça se passe bien. Il faut qu'on chope cristal, cristal. Alors, où est-ce qu'il y en aurait s'il y en a Parce que je sais même pas combien de temps ça met à. Euh... Normalement, ça met du temps à pop. Hein. Là, il y a un spot. Ah, c'est un spot bon, de terre. On va aller creuser quand même. Est-ce que, dites-moi. Oh, j'ai dit le moins interdit. C'est bon, j'ai perdu. J'ai perdu, j'ai dit. J'ai dit le moins interdit. Dites-moi juste, avant que je vous fasse un, un sondage pour mon gage, est-ce que dans le monde magique, il y aurait des cristaux Si oui, on y va. Eh oui, j'ai perdu. Allez, proposez-moi un gage. Euh, mon gage. J'ai pas tenu longtemps. Bon appétit à ceux qui vont manger. Ah Pourquoi j'ai les, les... Qui m'appelle 04 bah écoutez, je suis en live, je peux pas vous répondre, donc vous laisserez un message. Voilà, c'est bon. Alors, euh, Bjorn qui nous appelle. Je prendrai des vacances plus tard. Non, merci. Si vous savez s'il y a euh, dans le monde magique des, des cristaux, faut me le dire. Oh non, parler en chantant, sérieux Super. Voix de bébé. Oh bah ouais, je suis pas dans le caca, moi. Françoise. Et... Oh non, pas mamie Gertrude. Pas ma migère, truc, s'il vous plaît. <laughs> Pas ça Vous êtes des monstres Mais est-ce qu'il y en a, s'il vous plaît Juste dites-moi. Il y en a, oui. Ok, bah écoutez, on y va. Hein. On va aller dans le monde magique. Hein. On y go. Ah, hein. oh, il y a des guenouilles elle est trop belle oh, Regardez ces chaussures comme elles brillent. Donc, c'est en cristal, ces chaussures, normalement. Regardez. C'est holographique. On a trouvé des pièces d'amélioration commune. Bon, ça nous fera de l'argent parce qu'on n'a qu'à 800, techniquement. Hop, je vends. Très bien. Nocha, j'espère que tu sauras t'occuper de toi tout seul parce que là, on va dans le monde magique. On la suit. Oh, les petits papillons, ils sont trop choux. Allez, on va choper des cristaux. Non, pas Mamie Gertrude. Oh, pétard. Oh, vous, voulez, vous voulez que je fasse Mamie Gertrude Les gens qui, qui regardent la redit du live en mode euh, let's play, ils vont être en mode, mais, mais pourquoi elle fait Mamie Gertrude, tu vois Allez, vas-y, ma poupette. On y go, on y go. On rentre dans cette porte, on franchit le portail, on va dans le monde magique <laughs> C'est Cendrillon <laughs> Oui, c'est vrai, c'est les chaussures de Cendrillon, t'as raison Mais t'as tellement raison Alors, nous voici arrivés dans le monde magique. Peut-être, en vrai, peut-être qu'on pourrait faire de l'occulte et devenir... Euh, parce que ma copine Marissa, elle fait un let's play, euh, elle est pas dans l'occulte. Donc en vrai, nous, si on veut, on pourrait devenir euh, shooter de sorts. Mais pour l'instant, je ne suis pas non plus dans cette optique. Après, si vous avez envie, on peut le faire. Alors, où trouver des petits cristals Cristaux, cristaux. C'est où qu'on en trouve, vous savez Là, il y a de quoi pêcher. Ok. On peut pêcher des cristaux ou pas Je ne suis pas sûre. Hein. Là, c'est aller au terrain de duel. Je pense pas qu'il y ait de cristal euh, au terrain de duel. Ah, là, non, il n'y a rien. Et là, c'est aller au jardin. Il y a moyen, peut-être, qu'au jardin. Il est beau, le monde magique, quand même. Il est très, très beau. J'aime beaucoup. Mamie Gertrude, c'est un personnage. C'est pour ça. Alors, nous voici arrivés au jardin. Là, on a une plante. C'est de la Valériane. Pour l'instant, on ne peut rien faire. Il euh, y a des serpents dans le jardin. Regardez-moi ça. Il euh, n'y a pas l'air d'avoir de cristaux. Vous m'avez dit qu'il y avait des cristaux. Ah non, mais on peut les acheter, c'est vrai. C'est ça C'est qu'on peut acheter des cristaux. C'est ça que vous vouliez dire. Si on va. Hop, 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 hop. Je pense que je vais juste la téléporter pour que ça aille un peu plus vite. Hop, je la téléporte là, voilà. Donc là. Ah oui, voilà, c'est là. C'est là, c'est là. On peut venir. Donc je vais venir creuser deux fois d'affilée ici. Donc ici, c'est un peu comme le chemin de travers. De traverse, plutôt. De travers. Justement, c'est l'erreur qu'il a fait euh, Harry Potter. Et là, on peut acheter des cristaux ici. Acheter des balais et des cristaux. Oh yeah, on va faire ça. -da -da -da. Bonsoir, il sort quand le kit Normalement, il, il est sorti à 19h. Après, moi, je ne sais pas, j'avoue. Oui, elle aime la gémologie, mais bien sûr. Elle a trouvé chinolite et quoi d'autre Rien Elle va trouver un autre truc. Va... Vas-y, creuse, creuse, creuse. Trouve un autre truc, ma poupette. Elle creuse dans le vide, mais c'est normal. Allez, une émeraude. Oh et là, on va aller acheter euh, ça. Ça va être trop bien. Donc là, pour l'instant, on a trouvé deux cristaux. En vrai, je pense qu'on peut avoir une appétence pour la magie, mais peut-être qu'on n'est pas, euh, pas encore sorcière ou jeteuse de sorts, quoi. On découvrira peut-être plus tard qu'elle l'est. Alors, on peut acheter diamant. Oh, pétard, mais attends, mais ça coûte cher de ouf. Euh, je vais trier en fonction du coût. Bah ben, on va acheter turquoise, émeraude. Ouais, ça fait, ça fait déjà 40. Et diamant, je vais acheter. Allez, hop et on a validé pour notre aspiration trouver cinq cristaux ou métaux. D'accord. Eh ben écoutez, on va rentrer à la maison. Et maintenant, il faut qu'on crée un bijou et après qu'on offre un bijou à quelqu'un ou qu'on demande quelqu'un en mariage avec un bijou. Bon, on va pas demander quelqu'un en mariage, on connaît pas là. Oui, il est sorti. Ouais. Donc si jamais vous voulez acheter le kit d'objets, n'hésitez pas. À mettre mon code créateur conjureuse, ça me soutient à hauteur de 5%. Quand vous êtes à la fin de votre achat, normalement, il y a un onglet code promotionnel, donc n'hésitez pas vraiment euh, si vous avez envie de me soutenir. Voilà, ça m'aide beaucoup. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas forcément facile pour moi sur YouTube, je fais pas énormément de vues, donc pas énormément d'argent, et je fais très peu de collaborations donc euh, bah, j'ai que l'argent euh, de vos pubs, des vues que vous faites sur les pubs. Et Donc si jamais vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui le feront, merci infiniment. Pourquoi il y a des messages qui disparaissent Il euh, y a des messages qui sont supprimés par les modérateurs s'ils ne respectent pas les règles. Eh ben écoutez, on a des bijoux. It's, uh, it's time to commencer à travailler. Alors, on va créer un bijou. Ah, mais on va devoir le donner celui-là. Attends, attends, attends. On va faire un bijou aléatoire. Ah non, ça coûte 300, ça coûte super cher. Non, on peut pas faire un bijou aléatoire. <laughs> Punaise, on va devoir offrir un bijou ou demander à quelqu'un en mariage avec une. Ouais, super. Bon, ça, ça coûte 40, le bracelet basique. On va faire avec le truc qui coûte le moins cher, l'acron. Pas d'emplacement pour un cristal dans ce modèle. Ok, bah c'est pas grave, c'est très bien. Comme ça, c'est un truc basique, ça ne coûtera pas trop cher. Allez, et ce bracelet-là, on le... Tu vas où Tu vas où Ah, tu passes par là-bas, tu fais le tour. Ok, tu passes par ton entrée. Oui, bah bon, ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Donc ce bracelet-là, il va falloir qu'on l'offre à quelqu'un, et sûrement au comité d'accueil. Je te laisse, je vais manger. Bon appétit, Johanna il coûte combien le pack 9,99€. Non Note si à moi qui griffe. Non, sermon à propos du fait de faire les griffes. Punaise, Sermone, sermon, sermon, sermon Ruby. Non Ruby, c'est pas bien. Pas bien Ruby. Pas bien, pas bien. T'es intelligente en plus, tu vas comprendre, j'espère. Tu nous écoutes Non, t'as pas compris, c'est pas grave. Allez, on va reprendre le bracelet basique. C'est parti, c'est trop beau, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. Je, je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe ce kit, il est trop beau. Conjure, je t'adore, et surtout, oublie pas de liker le live. Oh, c'est gentil. Il est à 8,99. Ah ouais Il est à 1 euro moins cher 8 Il n'est pas à 9 Mais non. Il a à 8 C'est dingue, ça. Ok, donc là, vous voyez, elle est en train euh, de se faire mal. <laughs> mais elle a acquis la compétence gémologie. Et en fait... Là, elle est en train de faire donc euh, bah, le bracelet basique. Et après, on pourra aussi faire, quand on sera niveau 2, ici, sur ce truc à gauche, on pourra tailler des pierres précieuses. Oh non, Chouchou, mais tu te sens déjà triste tout seul Mais bébou Bon, euh, on va te parler et tout, mais attends juste qu'on termine euh, notre bijou. Pétard, on va mettre 3 heures à le terminer, le bijou. <laughs> Je sens que ça va être compliqué. Non, 9,99. Ah oui, on est d'accord, il est bien à 9,99. OK. Le gage, c'est quoi qui gagne il y a égalité entre voix de bébé et mamie Gertrude. Je suis obligée de vous laisser voter encore. On est 400 sur le live. Il n'y a que 250 votes. Votez, votez, votez. Donc là, euh, bah, on la voit faire ses petites interactions. En vrai, c'est quand même bien fait. J'aurais aimé qu'on ait plus d'interactions différentes, mais ça aurait été trop leur demander, surtout pour un kit d'objets. Enfin, voilà, quoi. C'est déjà pas mal. Oh, chouchou. Regardez-moi, Ruby, comme elle est trop pipou. Oh, tu vas faire dodo, Ruby Tu vas faire dodo oh. Non. On démarre bien notre petite vie. On n'a que 700 simples. Hein. On va être clairement pauvres très rapidement. <laughs> ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Waouh. Est-ce qu'elle va y arriver par contre à faire son objet Je pense qu'elle va mettre un peu de temps. Je vais mettre un peu en x3. Ses besoins, ils en sont où Ça va, ça va. Les besoins, ça va. Elle est bien. Allez, je vous laisse voter, je vous laisse voter. Niveau 2 de la compétence gémologie. Et il y a le comité d'accueil, c'est parfait. Ce serait bien qu'elle termine son bijou avant. Lilou peut désormais discuter des propriétés des cristaux avec d'autres Sims et peut créer les bijoux délicats et tailler des pierres précieuses en utilisant la taille émeraude sur la table de gémologie. Bienvenue dans le quartier, oui. J'ai oh, trop envie que ce soit ma pote. J'ai trop envie, elle est où Je veux trop qu'elle ce soit ma pote. Bon, j'arrive. Je veux vous inviter à entrer et toi je veux trop que tu sois ma pote. Euh, amicale, présentation amicale. Elle là, elle s'appelle comment Grace. Je veux trop que Grace soit ma pote. Ah bah le chat il a coucou. Euh, après on a qui On a Darel. Il est mignon, ça pourrait. Voilà, on pourrait. Voilà, pourquoi pas. Et toi aussi, Emilia, on va, on va tous se présenter, accueillir la nouvelle voisine. Oui. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un gros bug là Ah oui, elle est buggée, c'est bien ce que je me disais. Ah non c'est bon elle y va elle y va finalement il n'y a pas eu de bug j'ai été médisante j'ai parlé trop vite bonjour tous mes voisins comment vous allez ah oui tu parles d'argent vous voulez être mes clients ok je sais pas où installer en fait comment ça j'ai pas compris il y aura combien de sondages oh il y en a plein hein. je fais des sondages régulièrement euh, partager des photos remercier d'être là Illuminer la journée. J'ai trop envie que Grace devienne notre amie. Faudrait qu'on lui fasse un petit relooking. Ça pourrait être sympa. Euh, je pense qu'on peut les inviter à entrer. Inviter à entrer. Vous pouvez rentrer, vous pouvez rentrer. Mais moi, il faut que je termine mon bijou quand même. Ok. Allez, on va reprendre le bijou, le bracelet basique. Et euh, pour essayer de devenir ami avec Grace, on pourrait lui offrir le bracelet. C'est quoi qui gagne entre voix de bébé et mamie Gertrude 32% pour la voix de bébé. Oh, punaise. Bon, et eh bah ben je dois faire mon gage jusqu'à 19h20. Super. <coughs> <coughs> Ouh Merci beaucoup, mademoiselle euh, 13, pour le follow, bienvenue sur la chaîne alors, euh, pour les personnes qui se demandent pourquoi je fais une voix aussi étanche, je sais pas si j'ai eu un gage. Merci beaucoup, nous sommes 40 sur le live TikTok. Merci Amélie, merci Adèle d'être là, merci Vanessa. Merci tout le monde, vous êtes beaucoup tôt à pour les follow. Merci beaucoup, beaucoup. Je gâte de temps en temps les abonnés TikTok, je ne peux pas tout le temps voir. Et donc là, mon gage, c'est de faire une voix du bébé. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai une voix comme ça. Comme ça. <laughs> donc, est-ce qu'elle a terminé son bijou Je crois bien que oui. Tu as terminé ton basselet Allez Lilou, il faut que tu l'offres. Oui, elle a terminé. Regardez, regardez, regardez. Piuu Elle a le basselet. Mets dans l'inventaire et offre-le à Gaïs. Gaïs, je veux t'offrir le bijou. Je veux t'offrir le bijou. Je veux t'offrir le bijou, Gaïs. S'il te plaît, sois mon ami. Parce que pour notre aspiration, il faut qu'on offre un bijou à quelqu'un. Bah, pourquoi ils se battent ces guignols là Qu'est-ce qui se passe Bah, dis donc. Tu peux arrêter de bugger s'il te plaît, Lilou. Tu es un petit peu bugué, là, Lilou. Hein On va te initialiser. Bon. Veux-tu bien offrir à Gaïs s'il te plaît Ce se serait bien. Offre le bijou. Oui, voilà. Gaïs, est-ce que tu veux bien se voir ce bijou C'est pour qu'on devienne amis toutes les deux. Comment on fait pour voter Le gage est. le gage. Le sondage est terminé. C'est bon On lui a offert le bisou On va lui parler un petit peu. On va discuter des coins de pêche locaux. Peut-être qu'elle aime la pêche. On va discuter des valeurs des propriétés. Est-ce qu'on pouvait discuter des kistaux On va la complimenter. Féliciter pour le nouvel emploi. Ouh, tu as un nouvel emploi Où est-ce que c'est Ça doit peut-être être dans sainte d'inté pour les kistaux. Ah non, c'est pas dans sainte d'inté. C'est où qu'on peut discuter? Oh, discuter des propriétés des quistos. Je sais pas du tout où c'est. Je l'ai eu tout comme ça, là, je me suis dit. Peut-être dans le loisir. Ah oui, c'est dans loisir pour discuter des propriétés des quistos. Oui, c'est ça. <laughs> tout bien, on devient amis avec elle, c'est tout cool. <laughs> discuter de la paix dans le monde. Oh, pourquoi pas en vrai? <laughs> Coucou la petite sœur de Lily. Pourquoi elle parle comme ça? C'est un gars, je suis obligée de parler comme ça. <laughs> Qu'est-ce qu'elle dit? Pas besoin de divertissement si tu as une junkieiste. C'est quoi une junkieiste Je ne sais pas du tout. Bon, on a un petit peu faim quand même. Euh, tu as mangé quelque chose chez nous Nous allons cuisiner. Euh, je pense qu'on va cuisiner un truc qui coûte pas trop cher. Genre du fromage fondu. Mmh. <laughs> salade, salade du jardin, ça coûte pas trop cher. Potion individuelle ou familiale, familiale. Allez, plus que trois minutes pour que je parle comme ça. Mon dieu. En tout cas, c'est cool. Oh, chouchou Ruby. Fait dodo sur la table basse. Non, monsieur, c'est tout mignon. On va se faire un petit pas, voilà, tranquille ou bilou. Bon, le, les gens sont là pour le comité d'accueil. Ah, ils ont placé ici euh, le kekofui. Bah super. Super le kekofui. hein. T'étais bon ça. On s'est pas trop présenté aux autres, hein. Se vanter de sa petite maison. Oh, pourquoi pas Et toi Thomas, Colette Présentation amusante, bienvenue. On a acquis la compétence cuisine. C'est vrai que qu'elle bah, avait aucune compétence. J'ai attapé un poisson en puce. J'en avais jamais attapé. Ah oui, plutôt cool. Nous, encore en retard, on fait quoi Coucou Sean. J'ai la voix du bébé, c'est le gage. Hein. Nous sommes en train de faire le premier épisode de notre let's play. Avec Lilou et le pack, le kit d'objets création en cristal. C'est beaucoup trop cool, franchement, j'aime beaucoup trop. Et on a une super belle maison. Regardez-moi ça, comme elle est trop mignonne d'extérieur. Elle est trop, tout tout belle. Magnifique maison, je kiffe. Donc, on en était où On en était qu'on a faim et qu'on doit manger. Elle parle un petit peu à tout le monde. Il euh, y a Tomax, il est en colère. Je ne sais pas pourquoi il est en colère. Jusqu'à quelle heure la voix de bébé Jusqu'à 20 Vous pas le choix, c'est mon gage. C'est vous qui avez voté, hein C'est normal que Glace a un rouge à lèvres Violet Bah, je suppose, oui. C'est comment elle se maquille Qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous vous engueulez, là Dis donc. Calmez-vous, tout le monde. Faut pas s'engueuler. Et toi, tu peux pas finir de faire à manger, quoi Inviter à cuisiner. Ouais, cuisiner avec nous, ça y a peut-être plus vite. T'es un peu longue, là, Lilou. Demain, il y a le Legacy, j'ai toi. hâte. Eh oui, Emmanuel Il faudrait déjà que je monte la vidéo. <laughs> j'ai tourné le Legacy avant le live, mais euh, je n'ai pas encore monté la vidéo. Eh ben oui Ah 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 Il fait la miniature, mais vous inquiétez pas, la vidéo sortira demain à 17h, comme prévu. Oh Non Elle met son doigt dans ses oreilles et puis dans la bouffe T'es nul. Ah non, le fais pas T'es tout nul. Oh, c'est pas possible, Lilou! C'est quand qu'il est 20, j'ai mal à la gauche de ne pas aller comme ça. De la nourriture pour nous? Comme c'est gentil! Ah non, c'est pas pour vous! Ah non, c'est pas pour vous! C'est pour moi, hein! J'ai payé! Comité d'accueil? C'est bon, c'est fini. Vous pouvez vous en aller! Merci, de nous avoir invités! Au revoir, au revoir! Au revoir! Bye bye! On est devenu beaucoup amis avec Emilia, dis donc. On est devenu amis facilement. Et là, on se égale. Poffé. Joue avec un pointeur. Oh, c'est amoureux à propos du fait de mendier de la nourriture. Oui. C'est bon, il est 20. Allez, je parle normalement. Les gens qui regardent la rediff de live, ils doivent être en mode Mais punaise, elle est tarée celle-là. Bref, tout va bien, vous inquiétez pas. J'en peux plus, ta voix, c'est trop drôle. Et ben, écoute, en plus, si ça t'a fait rire, moi, ça m'a explosé la gorge. Je vais euh, me mettre du pchit après euh, euh, à base de, de miel. Elle va où Elle va voir son chat Je sais pas où il est le chat. Ah, il est là. Mais il va pas comprendre. Tu lui as dit trop tard, meuf. Elle est énervée. <laughs> je devrais vraiment y aller, c'était très sympa. Je devrais vraiment y aller, c'était très sympa. Ok. Bon, il faut qu'elle fasse un pissou, par contre, parce que madame va se pisser dessus. On n'est pas trop fatigué. Je pense qu'on pourrait fabriquer un autre objet. Donc là, pour notre aspiration, nous devons porter un bijou complètement chargé. Et, porter une... et planter une graine de cristal. Ok, on n'y est pas encore. Donc, on va créer un bijou. Euh... On, va... on va créer quoi Bah, Ce bracelet-là, je pense qu'il peut être joli. Donc, j'ai bien envie. Métal, on va prendre pyrite. Ou alcon pyrite. Et en cristal. On va prendre turquoise. Ça peut être joli. Et donc, ça fait quoi si l'objet est chargé Votre sim développe la compétence charisme plus rapidement. Votre sim réussit davantage les interactions sociales amicales. Oh, ouais, on pourrait se faire des amis plus facilement. Et si on se fait des amis, on pourra peut-être leur vendre des trucs. Attendez, on va regarder les autres. Chinolite. Euh, plus de, so le, de chances de donner naissance à des jumeaux détriplés. Des bon, ça, on s'en fiche. Diamant. Les relations amoureuses euh, se détériorent moins. Moins de chances de développer des peurs concernant les relations. Et votre sims réussira toujours l'interaction de s'excuser au lit. Bon, bah, dis Emeraude, les cartes ch de chance de carrière et d'école ont plus de chances de réussite. Ça, j'ai rien compris, les cartes. Ah, les cartes, c'est les pop-up Ça s'appelle comme ça, je viens de comprendre. Les cartes oh, C'est ça, en fait Ils appellent ça comme ça Quand vous faites un choix Mais non bah, Je vais faire turquoise. Hein. Turquoise, ça me, ça me paraît pas mal. Elle est très joueuse. Ok, ma poupette vous voulez un nouveau mot interdit Ok. Oui, la maison vient de, de la galerie. On l'a prise euh, au début. Euh, mot interdit. Hop là. Qu'est-ce que vous voulez comme mot interdit Merci beaucoup, mes modos, d'être là. Par contre, j'aimerais bien que tu ne manges pas la nourriture des humains et tu ne bon, sautes pas le... sur les plans de travail. Ça me dérange pas tant que ça, mais. On peut peut-être essayer de lui apprendre des trucs. Attends, mais il faut lui apprendre tout de suite. <laughs> Sinon, il va pas comprendre. Bon, arrête ton objet et va, lui... va le sermonner. Bon, elle a rien compris, bien sûr. Allez, on reprend l'objet. Hop, reprendre bracelet délicat. Voilà, on va la voir faire son petit objet. Mmh, trop bien. Alors, mot interdit bijoux. Mot interdit pierre. Mot interdit Grace. Ok. Et mot interdit Sims. Allez, je vous laisse voter, je vous laisse voter. Donc pour l'instant on n'est pas encore trop fatigué, c'est pas mal. Va quand même falloir qu'on se dépêche de faire des bijoux pour pouvoir les vendre plus tard. Et oui, oui, oui. Ça va être un peu chaud patate là, je pense. Grace, on est devenu vachement amis avec elle, hein. ça fait trop plaisir. Faudrait peut-être aussi qu'on gagne de l'argent en, en plantant des trucs. Oh, chercher des grenouilles. Et là on a quoi Ça c'est un citronnier, il est pile en face de chez nous. D'accord. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre plante quelque part hmm... Il y a des grenouilles. Là, cette plante-là, je peux pas. C'est un buisson de sauge sauvage. Ah bah lui, c'était notre voisin. Ok. Euh, Est-ce que là on a un truc ici Non, c'est notre voisine aussi. Je regarde un peu de partout. Là, il y a un pick-up. Je sais plus où je suis là. Il fait sombre. Oh. Euh, là, je suis passée par là. Oui. C'est où que je dois aller Non, là-bas je peux pas. Ok. Il oh, a pas de cristal euh, nulle part Ah oui, c'est compliqué là. 19h24. Euh, coucou toutes les nouvelles personnes sur le live. Alors attendez, j'ai eu un message important. Alors, euh, juste, je vais quand même rappeler les règles. Normalement, quand vous écrivez un message sur le chat, vous avez l'information, hein, normalement. Euh, on ne spamme pas, s'il vous plaît, c'est les règles du chat, donc pas de spam. Le spam, c'est écrire plein de messages d'affilée. On ne met pas des messages en full majuscule, on ne met pas des milliards d'émojis. Contentez-vous d'aller 4-5 émojis maximum quoi. Si vous mettez plus après, sinon euh, le bot qui regarde les, les messages plus mes ils vont ils vont mettre vos messages, euh, les supprimer. Donc voilà, s'il vous plaît, respectez bien les règles du chat, c'est important. D'accord C'est quoi le concept du mot interdit En fait, il y a un mot interdit que vous votez, vous décidez pour le mot interdit et... Euh, si je le dis, j'ai un gage. Donc là, tout à l'heure, tu vois, j'ai fait un gage, j'ai dû parler avec une voix de bébé pendant un bon moment. Lilou est vraiment trop mignonne, je la trouve trop cute, je suis très contente d'être avec elle. J'adore la gémologie, donc elle est heureuse et inspirée en plus. Nouvelle amitié, elle est contente. Ça, c'est quoi ça Bien, parce qu'elle vit dans une petite maison. Oh, bah elle est bien. Hein. Je pense que son bijou, par contre, elle va clairement pas avoir le temps de le finir, non Est-ce que tu vas réussir, ma poupette, à finir ton bijou assez rapidement elle va bientôt au moins passer niveau 3. Ça, c'est pas plus mal. Allez, courage. Il est 22h50. Niveau 3 de Gémologie Lilou a désormais plus de chances de trouver des cristaux et des métaux en creusant sous des pierres et peut créer des bijoux, déesses lunaires et tailler les pierres précieuses en forme de graines. Oui, il nous faut une pierre précieuse en forme de graines pour pouvoir planter notre fameux arbre. Il y a un pré. Il y en a un pré de ta maison. De trucs de pierre hmm... Pour l'instant, là, j'en ai pas vu. Là, il y a de quoi pêcher. Il y a un buisson qu'on peut pas choper. Là-bas, peut-être. Là, peut là c'est encore grenouille. Pour l'instant, c'est que grenouille ici. Donc là, on peut pas trop. Voilà. Mais c'est pas très grave. On va... on va gérer. Oh, elle est fatiguée, la pauvre. Regardez-la. En talon aiguilles, en plus. Elle se déplace pour aller chercher. Euh... Des grenouilles, on va essayer de faire un petit élevage de grenouilles pour gagner de l'argent, parce que là on est un peu pauvre. On a actuellement 604 simflous. je sais que c'est caché par euh, le, le truc, mais on a 604 simflous. Le pack a l'air trop bien, en vrai il est super cool. Je fais de la plongée dans un... Ah oui, dans Animal Crossing, c'est vrai C'est vrai, j'avais déjà oublié que t'étais sur Animal. Oh, Grace, mais qu'est-ce qu'elle fait là Bah meuf, je suis désolée, on est sorti pour aller chercher des trucs. Coucou Grace alors attendez, euh, je vais mettre ça là-bas. Là, vous voyez, j'ai pas de bijoux, malheureusement, à mettre ici. Je peux pas, malheureusement, c'est trop dommage. Euh, je vais faire se reproduire les grenouilles direct. C'est des grenouilles à 10. Bon, ça coûte pas très cher. <laughs> Mais écoutez, c'est déjà bien. Voilà. On va gagner de l'argent petit à petit. Allez, va t'occuper des grenouilles encore. Hop, hop. Après, faut que tu rentres à la maison, là. Rentre à la maison, meuf. On a eu une grenouille à 30, une grenouille à 35. Oh, ça c'est bien ça. Elle est rentrée à la maison ma petite. Je sais pas par où elle passe. Où est-ce qu'elle va Comment elle se déplace OK, c'est bon, elle est rentrée à la maison. Grace est là ou pas Je sais pas du tout. Non, je crois qu'elle est pas rentrée Grace. Bon, on a vachement sommeil, on va aller dormir hein, clairement, c'est l'heure du dodo. Ça aurait été bien qu'on finisse notre objet. Il sera pas chargé mais c'est pas grave, on n'est pas non plus pressé de ouf. Oh, regardez, Ruby qui fait dodo juste là, j'adore. Ah, faudra nettoyer la litière. Dormir avec les odeurs de litière, je suis pas sûre que ce soit kiffant par contre. <laughs> Alors, tu filmes après le live ou pas Non, j'ai euh, filmé l'épisode de demain euh, juste avant le live. Donc après le live, techniquement, je m'occupe de la rediff. Je vais faire une jolie miniature comme on fait quand même un let's play. J'ai envie que ce soit beau, tu vois. Et, euh, et euh, après, j'aimerais bien euh, bah, commencer le montage un peu de la vidéo de demain. Un minimum, je pense que je vais faire les pré-cuts pour que ça m'avance. Donc, euh, hygiène, on va aller prendre une petite douche, on va manger un bout, prendre des restes, et on va quand même se reposer encore un peu. J'aimerais bien qu'on soit full en... en énergie. Peur des animaux. Oh, t'as peur de la douche Non, fais pas tes griffes Ah C'est au à propos du fait de faire ses griffes. Arrête de faire tes griffes Engueule-la Engueule Ruby Oui, Ruby a d'avoir compris, je crois il y, y a le symbole vert. T'as compris ou pas, Ruby Non Bon. Est-ce que tu veux ne pas monter sur le plan de travail, Ruby Est-ce que ça, tu peux comprendre Non, t'as pas l'air. Bon. Zut. On va te parler, ma petite Ruby. Euh, on va te proposer notre amitié, ma petite Ruby. On n'est pas très amis avec, d'ailleurs. Mmh. Euh, Amical, joue avec un pointeur laser, ça peut te faire kiffer. Elle est trop belle dans cette tenue. Non, mais regardez-moi ça. Lilou, elle est vraiment sublime. Hein. Elle est trop jolie, elle est trop mignonne, je la kiffe. Franchement, je la kiffe. Il euh, y a plein de pierres à. Ah oui, à Salvadorada Après, je sais pas si on peut se déplacer à Salvadorada comme ça, juste. Euh... Je sais pas si ça fait très réaliste. Regarde les messages dans le groupe à la fin du live. Ok, ok. Je regarderai ça alors, Chanel. Dans le groupe Modo, pas de soucis. Là, j'avoue que. Oh, ça va. Là, j'avoue que je peux pas trop, je suis en live, mais après, je regarde, ok. Ça va, Ruby On joue un peu avec toi pour t'occuper, ma chérie, d'accord Oh, t'es heureuse de vivre dans une petite maison. Allez, un peu de pointeur laser. Piou, 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 Et après, on va retourner dormir parce que j'aimerais vraiment qu'elle soit au top de sa forme pour passer une belle journée. Ça peut être sympa. Et là, le but, c'est vraiment qu'on se fasse de l'argent et qu'on ait des cristaux et tout le schmilblick, là. Et après, Dodo, ce sera le pipi. OK. Est-ce qu'on a des cristaux ici qui sont venus Non, on va quand même chercher des grenouilles. L'arbre, oh on peut tout récolter. C'est bon, on va pouvoir avoir des citrons, ça va nous rapporter un peu d'argent ça. Est-ce qu'il y a autre chose là Ouais, chercher des grenouilles et là, on a euh, de la sauge ou je sais pas quoi. Ça va être bien, ça va être bien. Je peux faire reproduire, donc je vais faire reproduire la grenouille à 30 avec celle à 35, donc c'est la tigre avec la terre rayée. Ah non, je peux pas parce qu'elle fait dodo. Dépêche-toi. Bon, vas-y, réveille-toi, c'est pas grave. Donc, la terre rayée avec la tigre. Et ça nous en a fait 2 à 30. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Allez, elle va au pipi. Parfait. Et maintenant, on veut qu'elle s'occupe du jardin. Grace Alors, je suis désolée, là, je peux, euh, peux pas te voir tout de suite. Euh... Donc, ça, je peux en vendre une sur les deux. Ok, comme ça, on est bien, on a 644, on a un petit peu plus d'argent. Là, elle chope d'autres grenouilles normalement. Une grenouille aubergine, elle vaut 10, bon, soit. Quand je à la fin du live, on pourra regarder nos maisons de Challenge Reno. Alors là, j'avoue, j'étais vraiment partie sur faire un épisode complet pour les gens qui regardent les rediffs, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent Ouais, j'aurais aimé que tu fasses le let's play pas en live parce que je vois pas les lives et c'est compliqué, etc. à revoir en rediff. Donc là, j'aimerais bien leur faire plaisir à avoir un épisode complet, tu vois, jusqu'à 20h. Si Ça te dérange pas Ah mais ça par contre, faudrait qu'on le vire là, ce truc là. Ça c'est pas réaliste du tout. Regardez-moi ça. Hop, vous êtes pas réaliste les petites plantes là. Allez, va nous choper des trucs. Ah, oh, elle fait un footing, elle est trop drôle. Va nous choper des plantes. Tu 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 tu. Est-ce qu'on a d'autres choses à récolter par là Je regarde le chemin. Aventureuse Bon, elle peut être aventureuse, je sais pas. Heureuse, si tu veux. C'est pas mal. Là, est-ce qu'on a des trucs Non, il me paraît ne rien avoir. Ah, là par contre, ça, ça se chope ou pas Pommier, non, on peut pas. Hum, où est-ce qu'il faut que j'aille pour choper quelque chose Ah, Grace qui nous appelle encore Bonjour Lilou, ma vie est compliquée ces temps-ci, ça te dérangerait si je venais dormir quelques jours chez toi bah écoute, euh, ça, en vrai ça peut devenir notre meilleure amie. Hein. On accepte ou pas Oula, attendez, le mot interdit Vous m'en l'avez même pas rappelé. C'est bijoux. Ok, à partir de maintenant je le droit de le dire. Est-ce qu'on accepte que Grace vienne dormir chez nous Dites-moi. Merci Anne-Marie, c'est gentil. Oui Oui Ok. Ok, ok. Eh ben écoute, elle va, elle va, elle va, elle va pop. <laughs> elle va pop chez nous. Bah, elle est en train d'arriver là. Euh, là, j'aimerais bien qu'on aille creuser ça. Je vais faire creuser deux fois. Mmh, là, faudrait qu'on récolte tout le persil. Je disais je ne peux pas encore t'accueillir par contre, hein, ma belle. Parce que j'essaye de choper des cristaux, etc. Et je ne trouve pas grand chose pour l'instant. Ok, chercher des grenouilles, etc. On est bien. Et il faudra qu'on retourne quand même dans le monde magique pour aller trouver un cristal. Hein. ah ouais. À part si là, on en a. Là, on a quoi On n'a pas de cristal ici Ah, par contre, ça, ça peut être une pierre version cristal. Attendez, je me mets un peu en x3. Là, on a deux zones à creuser encore. Ouais, c'est pas mal. En vrai, on a pas mal de choses à creuser sur cette map. Hein. Je la trouve très belle, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué dessus, donc je suis quand même contente qu'on puisse jouer un peu dessus. Je suis un peu en x3. Allez, vas-y, creuse. Pareil, là, tu vas venir creuser. Et après, il faudra qu'on rentre à la maison et qu'on l'accueille. <laughs> Regardez toutes les grenouilles qu'on a, on en a eu de ouf. 10, 25, 10, 10 et 2 à 10. Ok. Euh, ça, les roches fossiles, euh, je pense que je vais les vendre. Ok, ça fait 120. Très bien. On est bien, franchement, on est bien. Vous allez voir, on va être une super vendeuse de bijoux et tout. Ça va être trop bien. Et peut-être que plus. En fait, je pense que ça peut être sympa que d'abord on ait notre stand. Et quand on arrive à avoir assez d'argent, peut-être qu'on ouvrira une boutique. Vous voyez ce que je veux dire Ça peut être plus réaliste et plus sympa de faire ça. J'ai dit le mot interdit. Oh non, j'ai perdu déjà. Oh non Bon, donnez-moi un gage. Oh non, j'ai trop le seum. Oh goodness. Voilà, j'ai perdu. C'était très rapide. Allez, on rentre à la maison. Ton chat a besoin de toi. La... Ta voisine aussi a besoin de toi. <laughs> Françoise, oui. Parlez en chantant. Oui. Mamie Gertrude, oui. Et quoi d'autre <laughs> Oh, punaise. Oui, j'ai dit bijoux. Malheureusement. Mamie, j'ai un truc Françoise. Mamie, j'ai un truc de Françoise, ouais. Je vais mettre parler en ASMR. Ok. Je vous laisse voter. Je vous laisse voter. Elle est où, notre vo voisine Ah, bah, elle est rentrée, oui. T'as mis ta valise ici, d'accord. Très bien. Euh, on va te complimenter, on va t'accueillir. Comment on fait pour t'accueillir C'est où accueillir normalement Voilà. Euh, demander à Grace de donner un coup de main ou de se détendre. Bah écoute, pour l'instant tu peux te détendre, hein, ma petite Grace. Waouh, regardez tout ce qu'on a. Alors il faut qu'on plante euh, sauge, oui, et persil, oui. Il me reste encore un persil à planter là et là, ok. Et après je vais planter un citronnier. Et le reste je vais vendre. Ou non C'est des fruits les citrons, donc je peux les mettre dans le frigo, ça devrait compter. Euh, ça, je peux vendre les pièces d'amélioration. Ça aussi. Là, j'en vends une sur deux de ces grenouilles-là. Ouais, J'ai 8 milliards de grenouilles, un truc de malade. Ok, bon. Je, je fais reproduire un peu n'importe quelle grenouille avec n'importe quelle grenouille-là. <laughs> on est à 839 simples en vrai. On a gagné de l'argent, c'est plutôt bien. Franchement, c'est plutôt bien. Please, de l'ASMR, j'en ai besoin. Oh, Chanel Bébou <laughs> Bah écoutez, je vous laisse voter si vous avez besoin d'ASMR. Ça fera un petit moment ASMR dans l'épisode, ça peut être sympa en vrai. Bon, on va arrêter de lui parler à notre, à notre copine quand même parce qu'on a besoin d'aller planter tout ça. Donc, on va tout planter et après avoir tout planté, on va tout arroser. On a faim, punaise, on a déjà sommeil. Non Faut qu'on prenne des restes. Et on n'a pas fini notre bracelet. Ah, si, on l'a fini Si, si, on l'a fini Ok, super il, Oh, il vaut 274 le bracelet Ouh, pas mal Il est qualité quoi Excellent Oh, génial Et on va le faire charger Ah, trop bien On va le faire charger toute la nuit Ce sera notre premier bracelet à vendre Ah, ça, c'est cool ça je suis très contente. Elle part Elle va se balader Ok. Ben nous, on fait un peu de jardinage. J'adore le jardinage, c'est trop bien. Oh, regardez Ruby qui s'est endormie juste à côté de nous. Mais oh. si, ça, c'est pas mignon. Trop chou. En vrai, ouais, je suis d'accord. Un moment de chill, si on veut. Il euh, n'y a pas de problème. Je parle en ASMR pour, euh, pour, euh, pour cet épisode, la fin de l'épisode. Je vous laisse voter, bien sûr, parce qu'on est quand même 318. Il n'y a que 130 votes. Donc, je vous laisse voter. Prenez, euh, prenez le temps. Voilà. Tout le monde est à beau à toi dans les commentaires bah écoute, euh, je sais pas. Euh, en tout cas, les gens qui commentent, si vous êtes abonnés, euh, merci beaucoup. <laughs> Et coucou tout le monde, bonsoir, boys overflowers, comment tu vas Franchement, trop chou. Ah, oh, Ruby s'est déjà réveillée. Oh, c'est beau là, avec la lumière du soleil comme ça, regardez, c'est trop joli. Ah, oh, j'adore. Faut tout qu'on arrose après. Par contre, ah, elle peut pas planter celle-là J'espère qu'elle va pouvoir les planter quand même. Tu vas où Ah, tu vas manger un bout. Ah, elle peut pas planter celle-là là-bas. Zut À crotte Bah attendez, on va déplacer, euh, on va déplacer le machin. Euh, alors attendez, parce que là je pense qu'il y a trop de plantes. Ça doit faire bugger un peu. Euh, Celle-là aussi. Je suis désolée, mais il faut que je vous... Oups C'est pas ce que je voulais faire du tout. J'ai fait un screenshot, c'est pas ce que je voulais faire. Euh, je pense qu'on peut mettre ça comme ça. Et ça... Oh, je sais pas comment mettre en fait. Hum, pourquoi elle peut pas euh, atteindre Bon, peut-être que c'est juste pour planter, donc au pire je mets dans ce sens-là. Attendez, comme ça, comme ça. Comme ça. On va voir si là ça fonctionne, si elle peut planter. Bien planter et après tout arroser ma belle. Ça va bien et toi, boys of our flowers oui, Seijin, elle fait dodo, mais je pense qu'elle va venir là. Je pense qu'elle va se réveiller et qu'elle va venir. Donc là, bah écoutez, on n'habite pas toute seule. On habite avec euh, Grace. En vrai, qui est très enjôleuse. Est-ce que Grace nous kiffe Alors, elle pense à des sandwiches sur le fromage fondu. Mm -hmm. Ok, Grace <laughs> Est-ce que tu nous kiffes ou pas, Grace Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on peut planter Est-ce que ça marche Oui, là, ça a l'air de marcher. J'espère qu'on pourra arroser. Ok, ok, ok. Bon, ça se passe bien, écoutez. Elle a 839 Simplus. Bon, quand, quand, les, quand les factures vont tomber, ça risque d'être compliqué à dos. Mais on y croit. Alors, tu peux arroser Ouais, c'est bon, elle arrose tout. Parfait. Trop bien. Ah bah non, il faut arroser ça aussi. faut tout arroser, hein. Ok, ça va, ça va le faire, ça va le faire. On va avoir de l'argent aussi avec le bah, les, la vente de tout ça. Ça va le faire, on va gagner de l'argent. Tu n'as pas trop de bugs non, en vrai, on a eu un seul tout petit bug, c'est tout. Sinon, j'avoue, on n'a eu aucun bug. Hein. Ok, elle finit d'arroser. Elle arrose un peu, n'importe comment, dans n'importe quel sens. Niveau 2 en jardinage, yep, trop bien ça. Ruby est trop chou. Par contre, on est méga fatigué. Oh, c'est compliqué là. Allez, est-ce que t'as fini d'arroser C'est bon, elle a fini. Ouais, t'as fini d'arroser, super. Bon, on a sommeil, on va aller dormir. Euh, si tu veux dormir, tu peux, ma petite euh, invitée de séjour pas temporaire, euh, Grace. Mais nous, là, il faut qu'on dorme, on est épuisés. C'est parler en ASMR qui gagne à 34%. Ok. Il n'y a pas beaucoup de votes, hein. Alors, est-ce que les personnes qui ne peuvent pas voter, c'est parce que vous êtes sur euh, la télévision C'est pour ça Peut-être. Grace veut te faire un sandwich. Ah oui, peut-être, effectivement, c'est possible. Elle est sur son téléphone. Tu veux pas dormir, Grace C'est la nuit quand même. Hein. Vladislaus. Euh, non, merci, Vlad. Ok, là, regardez, c'est en train de charger. Donc, il y a écrit 3 heures jusqu'au chargement complet. Ruby qui s'approche du bracelet qui va peut-être le protéger. Peut-être que Ruby est un peu un animal magique et qui, qui veut protéger les trucs. Ça peut être sympa. Mon prénom, il veut dire papillon. Oh, ok. Alors, on la laisse dormir, hein, écoutez. Et après, elle ira faire pipi quand elle se réveillera. Je sais pas trop ce qu'elle fait, Grace. On le un peu ça live, j'ai envie de vous dire. En tout cas, la maison est trop belle, ça fait trop plaisir de travailler dans cette petite maison-là. Allez, on va se réveiller à 3h50, 4h du matin. Parfait. Le pipi, la douche, le repas, on prend des restes. Et le bijou, il est chargé au maximum. Regardez, il brille il y a écrit euh, objet chargé. Donc on va pouvoir porter euh, le bijou. Donc euh, porter avec toutes les tenues. Ouais, on va faire ça, si on veut, ou la tenue actuelle. Voilà. Et donc ça va normalement valider euh, le fait de porter un bijou. Et donc là, aujourd'hui, ce serait bien qu'on crée une graine de cristal et qu'on la plante pour avoir le fameux arbre à cristal. Oh J'espère qu'elle va pas rentrer dans la salle de bain pendant qu'on y est. Non, c'est bon, elle y rentre pas. Tu vas faire dodo dans notre lit Ok, tu sais, tu pouvais dormir sur euh, le canapé, hein. T'as attendu qu'on qu qu arrête de dormir quoi. Mais par contre, pourquoi elle n'est pas allée faire pipi Ça a bugué Fais pipi, meuf Fais pipi Fais pipi Oh punaise, elle est folle. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Elle fait pipi. Parfait. Alors, euh, est-ce qu'on doit s'occuper du jardin maintenant Non, ça a l'air d'aller, donc j'aimerais qu'on euh, taille une pierre précieuse. Nous devons donc choisir la pierre précieuse en forme de graine. Et je pense qu'on va prendre de l'émeraude. Voilà. On va prendre de l'émeraude. Comme ça ça va nous coûter 100, ça va pas nous coûter trop cher et on garde les autres bijoux pour les vendre parce que les bijoux ils coûtent plus enfin les autres cristaux, ils ont une valeur euh, plus élevée donc quand on va euh, les vendre, eh ben, ça va être top. Voilà. Donc là elle porte Ah regardez oui, elle porte le bracelet. Oh mais ça se met par-dessus, c'est trop bien. Attendez, je voulais vous montrer le bracelet. Regardez le bracelet. C'est stylé. Hein. Je savais pas que ça se mettait par-dessus, même ce vêtement-là. Ah, ça c'est chouette, on vient de découvrir un truc vraiment sympa. Bon, après, j'aimerais quand même bien le vendre. Parce qu'il faudra qu'on se fasse de l'argent, on n'a pas beaucoup d'argent là. Eh bien, écoutez, on est parti en mode création de, euh, de, de, de la fameuse graine pour l'arbre magique. Pour finir cet épisode, il reste 15 ou des épisodes. Donc là, le but c'est de planter l'arbre et s'en occuper. Et comme ça, on pourra finir l'épisode 1 où on a planté un arbre, gagné un peu d'argent, on s'est fait une amie et euh, on commence à développer les compétences petit à petit. Merci Elie, c'est gentil. Allez, on va faire le gage. Parler en ASMR jusqu'à 19h50. C'est parti. Je vais modifier mon micro. Alors... Je ne sais pas du tout. Là, est-ce que vous m'entendez fort Je pense que oui. Je ne sais plus du tout dans quel sens je dois aller. Est-ce que vous m'entendez m'entendez bien En mode ASMR, ça va, vous m'entendez bien J'espère que ça va. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, je fais un concours, vous avez jusqu'à demain minuit pour participer, pour gagner le guide d'objet création en cristal. N'hésitez pas à participer, le lien est dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. quand même nettoyer euh, la litière. <laughs> Je pense qu'elle pourrait... Ah, euh... oh, non. Ruby, elle est en chaleur. Oh, vous imaginez si on a des bébés chats Ah, oh, ce serait trop mignon. Et ça va, loups tu gères Elle a l'air de gérer pour l'instant. Oh, merci beaucoup, Boys over flowers Tu es membre depuis 23 mois. Petit cœur coréen, merci beaucoup. Je crois que tu ne peux pas mourir, sauf de vieillesse. C'est-à-dire, dans le jeu, tu veux dire Avec quelle pierre De quoi tu parles <laughs> J'ai pas bien compris. Si, je t'avoue, j'ai très, très, très faim. J'ai même très soif. Je vais boire un coup. Je vous laisse sur l'image de Lilou qui travaille. Attendez, je vous mettre une jolie image de Lilou qui travaille comme ça. Voilà. Et je vais boire un petit coup parce que j'ai super soif. Vous savez, parler non-stop pendant des heures. Ça donne méga soif. Mais des chatons, ça serait trop cool. Oh, vraiment c'est ASMR avec la bouteille. <laughs> mm. Je vais euh, faire une vidéo où je reproduis de nouveau quatre de mes youtubeuses préférées. Et dedans, il y a une youtubeuse ASMR que j'aime beaucoup. Donc euh, j'espère que bah, vous la connaîtrez. Et euh, ça arrive normalement mercredi prochain si je ne me trompe pas. Ah non, c'est peut-être mercredi d'après. Je sais pas encore. Mais en tout cas ça arrive dans les deux semaines qui suivent là. ¡Gracias! <coughs> Normalement, vous m'entendez normalement. Enfin, avec ma voix normale. J'espère que ça va. Que vous avez pas mal euh, aux oreilles. <laughs> oh, merci beaucoup, Adélia, pour, le... pour être devenue membre. Ça fait trop plaisir. Merci infiniment, petit cœur coréen. Merci beaucoup. Euh, tu as maintenant accès à des informations d'avant-première dans l'onglet Communauté de la chaîne. Tu as accès à 14 émojis que tu peux utiliser en commentaire sur les vidéos et sur les lives. Tu as aussi euh, une... un super chat gratuit par mois. Un badge qui s'affiche à côté de ton pseudo et qui va évoluer en fonction du temps que tu seras membre, et... et je sais plus... et une priorité aux réponses en commentaire. Merci beaucoup Je commence un petit peu à fatiguer pour la fin du live, c'est pour ça. Ok, j'ai récolté plein de trucs, ça je vends. Parfait, on est à 833 Simflouz. Ok, on va récolter des grenouilles. Euh, Est-ce que là on aurait des trucs à récolter Oh, il y a des choses à creuser là Donc, je vais creuser. Là-bas, je peux récolter... Euh, la sauge. Est-ce qu'ici on aurait quelque chose On a encore des grenouilles, on n'a aucun cristaux, dis donc C'était perfect Ça t'a fait du bien, Chanel, un peu d'ASMR, un, un petit moment calme pendant euh, le live. Et les gens qui regardent la rediff, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que je regarde les commentaires même de la rediffusion du live, n'hésitez hein. pas à me dire si vous avez bien aimé, aimé tel ou tel passage, par exemple le passage à ASMR ou quoi. Comme ça je peux savoir ce qui vous plaît pour les personnes qui regardent les rediff, d'accord N'hésitez pas à me le dire. Et je mets un peu en vitesse x3. Elle a trouvé plein de grenouilles. Écoutez, on va finir par vendre toutes les grenouilles. Hein. On a eu des écouteurs gratuits, on va pouvoir les vendre aussi. Ah ça c'est trop bien ça. Euh, on veut des cristaux, des petits cristaux. On veut des cristaux, des petits cristaux. Mais on n'a pas de cristaux du tout là, dis donc. Euh... On creuse plein de trucs mais il n'y a aucun cristaux. C'est trop nul. Ça c'est quoi Récolter le persil. Et là, hop, hop. OK, est-ce qu'il y a quelque chose là-bas Non, il y a rien. Il y a rien C'est nul Moi, je veux des cristaux Faut qu'on aille dans le monde magique, je crois. Elle aime le jardinage Oui, bien sûr. Là, il y a quelque chose ou pas Non, il y a rien. Écoute, rentre à la maison, poupette. Tu vas venir ici. Oh Oh, génial Récolter toute l'herbe de prairie, mais c'est vrai On a des herbes de prairie maintenant on va choper des dingueries. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est génial. Alors là, là, je suis conquise. Chanel, ah ouais, je suis détendue. Ah, ça fait plaisir. Coucou, ça va et toi, Léa, Lévy J'adore ton live. Merci, Jojo, ça fait plaisir. Je suis contente qu'il te fasse euh, bah, que t'aimes, en fait, tout simplement. J'ai un peu mal, par contre, au coude. Je me rends compte que, genre, je suis positionnée, vous savez, sur mon bureau, à un endroit où c'est très anguleux. Donc là, l'herbe de prairie, on va peut-être choper des trucs. On a eu quoi Du foin d'herbe de prairie, d'accord. On pourra le vendre en vrai. 8, ouais. Euh, les... La boîte mystérieuse. Alors ça, je vends. On va ouvrir la boîte mystérieuse. On vend 25, ok. Les pièces d'amélioration. Attendez, je vais... je vais choper. Donc ça, je veux vendre. Ça, je vends pas. Ça, je vends. Ça, je vends pas. C'est du métal lourd. Ok, ça fait 225. On, a... on est à 1200. Alors là, par contre, on est bien. Euh, hop. Ah non, hop. Je veux vendre une grenouille sur deux ici, une grenouille sur deux ici, et une grenouille sur deux ici. Très bien. On a beaucoup de grenouilles. Et je vais faire reproduire la tournesol avec la tigre. Et ça nous en a fait deux tournesols. Ok. Bah, je peux en vendre une des deux. Parfait. Donc, maintenant, on a faim. Elle va aller manger un petit bout. Ah, ça me fait plaisir que tu bien. Pour devenir membre. Ah, merci Adélia d'avoir expliqué, merci beaucoup. Elle est toujours chez nous, au fait, je sais même pas où elle est. Elle a laissé sa valise, tout du moins. Oh ah oui, il faut qu'on plante la graine On va le planter où, l'arbre Attendez, je sais pas où le planter, moi. Hop, je vais mettre dans nos poches. Euh. Tu, tu, En vrai, on peut peut-être planter l'arbre. Peu, peut-être un peu caché. Là. Est-ce qu'on pourrait le planter ici, l'arbre que qu'ils un peu caché, tu vois. Un peu notre arbre caché à nous. Je pense qu'on peut faire ça. Comme ça, c'est un peu caché partout. Quand t'arrives par là, tu le vois pas, tu vois. Ça peut être pas mal, non Moi, en ce moment, je ne sais pas quel pack acheter entre année lycée et grandir ensemble, mais j'adore les gameplays des deux packs. Les deux sont géniaux. Après, je t'avoue, euh, attends les soldes. Il va y avoir des soldes qui arrivent. Ça, je peux vous le dire. Il euh, y a des soldes qui arrivent là. Euh, normalement, je crois que c'est en avril, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Hein. Je pense que c'est pour avril les soldes. Mars. Ah, c'est peut-être. Non, c'est pour avril ou c'est pour mars Mais en tout cas, je sais que va avoir des soldes. Oh C'est bon, on a avancé dans notre aspiration puisqu'on a planté la graine Parfait, on va arroser. Donc, faire pousser un magnifique arbre à cristaux. Donc, ça, ça va prendre du temps. C'est l'arbre qu'on vient juste de planter. Oh, chou Pardon, j'ai le. Ok. Ruby, chouchou, on va jouer avec un pointeur laser, on va s'occuper de toi. Ma poupette. C'est à mon à propos du fait de sauter sur les plans de travail. Non, mais elle va rien comprendre de toute manière. s'en fout. Il faut maintenant qu'on fabrique 5 bijoux d'excellente qualité et ensuite qu'on fabrique 10 pierres précieuses ou bijoux une fois en étant concentré. il faudrait être dur d'être concentré ça je pense. Merci Adélia d'avoir répondu. Tu n'as pas le bouton caddie en haut de ton jeu Le bouton caddie de ton caddie Non. Pourquoi j'aurais un bouton caddie Je sais pas ce que c'est le bouton caddie. J'avoue, là, euh, là, tu m'as perdue. <laughs> je ne sais pas ce que c'est. Alors, euh, bah, notre chat, il s'est barré. Donc, on attend que notre chat revienne pour faire les interactions. Ah non, on, y, on vient là. Coucou, petit rubis d'amour. On va s'approcher de toi. Elles sont devenues amies, trop bien. Bah Ça, je suis très contente. Bon, on commence à être fatigué. Mais on pourrait peut-être quand même commencer euh, à faire un bijou. On va faire un bijou parce que là, il faudrait qu'on ait des trucs à vendre. Une paire de boucles d'oreilles. On va essayer de faire des trucs qui coûtent cher. 130. Ça va coûter cher normalement à revendre. En métal, euh, on a de l'ironium. Ça coûte 200, mais comme on en a, ça va nous coûter zéro. Et en cristal, on va mettre le plus cher, on va mettre du diamant. Et, euh, et ça, je pense que ça peut se vendre très cher quand on va essayer de le vendre. OK On va tenter de faire ça. Ça vient avec la mise à jour. C'est la mise à jour. Qui fait que tu as un bouton caddie En haut où En haut là Et quoi le il, fait, il fait quoi le bouton caddie Les suggestions d'achat de packs ou kits manquants Conjure les à tous. Ah oui, c'est pour ça que j'ai pas ça Ah oui, je savais même pas qu'il y avait ça, cet ajout avec la mise à jour. Parce qu'en fait, comme moi j'ai absolument tous les kits, euh, tous les packs de jeux, etc. Je pense que c'est pour ça que je n'ai pas le bouton. Ah ouais, ça aurait fait encore un bouton en plus en haut à droite. Oh là là, euh, ils en rajoutent des trucs, dis donc. C'est abusé ça. Chanel même ayant tous les packs. Ah ouais Même si t'as tous les packs, Boys of the Flowers, tu l'as quand même Bah écoute, c'est peut-être que moi la mise à jour, elle fonctionne pas. Je sais pas. Peut-être qu'il y a eu une mise à jour encore aujourd'hui pendant qu'on était en live. Je la referai après hein. Je vais pas tarder à partir chez ma tante, je reviens sur ton live après. Bah, il va être fini, E-Mystère, euh, il est 19h58, on reste encore deux petites minutes en live. Bye bye Mélanie, bon appétit Il est arrivé aujourd'hui. Ah, ok Oh là là, j'aime pas ça. Surtout en plus, si t'as tous les packs, mais mettez le pack, on s'en fout. J'espère en tout cas que même s'il y a une mise à jour pour aujourd'hui, le caddie, je l'aurai pas quoi. Parce que sinon, ça va me saouler euh, de rajouter encore un truc en plus sur l'overlay, euh, l'interface euh, du jeu, c'est bon quoi, ça fait beaucoup là. Franchement, ça fait beaucoup. Donc là, elle est en train de faire un nouveau bijou. Pour l'instant, on n'aurait que deux bijoux à vendre, dont un qu'on est en train de porter actuellement. Alors, le persil comme ça, on va le vendre et on va le vendre. On est à 1171. Là, je vais vendre une des deux grenouilles comme ceci. Est-ce qu'on va garder toutes les grenouilles ou pas Ça, je ne sais pas. En vrai, je pense qu'on peut peut-être bah, virer toutes les grenouilles qui coûtent euh, pas cher. Qu'est-ce que vous en pensez Oh Il y a une grenouille à 100 Oh my god. Je pense que toutes les grenouilles qui coûtent 10, je vais les virer. Voilà. Et voilà. Je vais les vendre. Et on va garder que les grosses grenouilles. Alors la grenouille à 100, on va la faire se reproduire avec celle rayée. Et ça nous a fait une grenouille à 35. Ok. Bon. Soit. Putain, on gagne quand même un peu d'argent. Hein J'ai peur quand on va avoir les... Comment ça s'appelle les factures <laughs> il prend beaucoup de place en plus ah ouais oui il prend de la place oh non c'est nul ça oh, non c'est pas ce que je voulais faire si vous me dites vraiment qu'il prend beaucoup de place le logo là je vais être déprimée vous avez une photo il se met à côté de, de l'onglet là euh, mode construction il se met où le logo dites moi enfin l'icône plutôt on a besoin d'aller aux toilettes vas-y finis ton bijou et après tu vas aux toilettes meuf comme ça, je pourrais mettre le bijou à charger. Oh, regardez, regardez ce qu'on a fait. Ouh, c'est stylé en vrai. Donc je vais les mettre à, les mettre à charger ces boucles d'oreilles. Elles vont charger toute la nuit là. Voilà. Comme ça, elles seront chargées pour les vendre. Euh, coucou toi, on n'a pas trop le temps, je suis désolée. En plus, il est 20h, on va devoir arrêter l'épisode. Ah Pourquoi il y a ce mur-là Ça a bugué. Zut. Oh, j'aime pas quand ça bug. Euh, hop, ça, tu me le mets là, s'il te plaît. Voilà. Donc on va se quitter pendant qu'elle va faire dodo. On a bien avancé, la maison est trop belle. On a deux bijoux qu'on pourra vendre. Le but, je pense que c'est qu'on ait au moins cinq bijoux à vendre ou pierres précieuses taillées pour ouvrir notre petit stand devant chez nous. Qu'est-ce que vous en pensez Je pense que c'est une bonne idée. Donc on va aller la faire dodo. On a un petit jardin qui commence à pousser. On se fait un peu d'argent, voilà, ça se passe bien. Et là, on aura notre arbre qui va... Ah bah voilà, il a commencé à pousser pendant la nuit, regardez. Donc quand il sera au maximum, il nous donnera tous les jours, à 5h du matin, 3 cristaux. Et donc ça, c'est vraiment trop, trop, trop bien. Écoutez, j'aime beaucoup ce début de let's play avec Lilou. Euh, je kiffe, franchement, c'est trop cool. J'espère que ça vous a plu, ce premier épisode. Je vais me mettre... Oh mais regardez, il y a Lilou et... Elf... Eh, tu es en train de miauler, euh, Ruby, c'est ça Je vais me mettre sur euh, Lilou qui fait dodo avec Ruby juste à côté pour vous dire au revoir pour ce petit live. Coucou, vous allez bien Donc ça, c'est la fin de l'épisode. Pour les personnes qui regardent la rediffusion, on fera un nouvel épisode sûrement la semaine prochaine. Voilà, on verra si c'est jeudi ou dimanche, ce sera en fonction de vous. Si on continue le jeudi le let's play ou si on fait la rénovation des mondes. J'ai trop aimé, c'était trop chouette. Alors, je vais donc sauvegarder la partie. Et maintenant, je vais vous dire au revoir euh, en vrai, quoi. La, la fin de l'épisode est finie, l'épisode est terminé. Maintenant, je vais mettre en Overletalk talk pour vous dire au revoir. Je déteste ce prénom. T'aimes pas Lilou Ah zut Zut <laughs> Tu savais pas qu'elle s'appelait Lilou <laughs> Bah, elle s'appelle Lilou. <laughs> il se met à côté du, du bouton galerie et il clignote en plus. Non, sérieux Ah ouais, c'est pour inciter à acheter. Oh, J'aime pas quand ils font ça. J'aime pas du tout quand ils font ça. Bah écoute, je vais quitter mon jeu et je le relancerai demain et puis je vous dirai demain si j'ai l'icône. Hein. Est-ce que les gens, est-ce que parmi vous là, il y a quelqu'un qui a tout, tout, tous les packs et même le dernier kit qui vient de sortir euh, et qui a quand même l'icône Trop bien ton live et ton let's play. Merci beaucoup Jessie. Bisous les, tant pis. Ah, t'inquiète, on l'appellera pas trop euh, euh, Chanel. Ou Lily, peut-être qu'on l'appellera <laughs> Lilou. T'aimes pas Tu me raconteras pourquoi t'aimes pas Lilou. Mais moi je trouvais ça mime. En vrai, c'est les abonnés qui ont voté. Hein. Il faut toujours recharger les mêmes bijoux chaque nuit. Euh, non, alors, normalement, tes bijoux, quand tu es avec le kit d'objets en cristal, il y a des bijoux qui ont un temps de charge différent et euh, qui durent en temps de charge de 3 jours. Je n'ai pas vu pour l'instant de bijoux qui duraient plus que 3 jours. Euh, mais en gros, tu peux avoir le bijou porté sur toi pendant 3 jours et après il faudrait le recharger parce que sinon ses effets ne fonctionnent plus. Voilà. Oh, t'arrives à la fin, papillon zut je n'ai pas encore le dernier pack. Ah, c'est peut-être pour ça, Boys Overflower. C'est peut-être pour ça. Euh... Moi, je l'ai eu hier sur console, l'icône. Ça ne gêne pas personnellement. Ok. Mais en vrai, franchement, euh... j'espère juste que si t'as tous les packs, t'as pas l'icône. Au moins ça, tu vois. Parce que moi, ça me saoulerait sur, clé... sur les vidéos YouTube, sur mes Let's Play. Si vous voyez un icône qui clignote, franchement, ce serait un peu bête, quoi. Voilà, on verra. Hein. J'ai hâte que ce soit mon anniversaire. Je vais recevoir plusieurs packs. Oh, trop chouette, elle est je suis arrivée il y a 10 minutes. Ah, t'es arrivée il y a pas longtemps, c'est pour ça. Mais écoutez, j'étais trop contente de vous retrouver pour ce live. On a fait donc un premier épisode de Let's Play et franchement, c'était une ambiance super chill. La maison est trop belle. Euh, notre personnage Sims est trop mims. On a un chat adorable. On s'est fait une amie. On a commencé à gagner de l'argent avec un peu de jardinage et on va essayer de, de vendre à l'épisode prochain eh bien, des bijoux sur notre petite table de vente devant chez nous. J'aime beaucoup trop l'ambiance quand on est à Glimmerbrook, c'est une ambiance un petit peu féerique et tout, ça me manque les faits, j'ai trop hâte qu'il y ait un pack, mais je sais qu'il y aura un pack sur les faits, c'est sûr à 1900%, j'espère juste qu'il va arriver en 2024, parce que je veux pas attendre 2025 pour avoir des faits dans les Sims 4. Mais en tout cas c'était trop chaud d'être avec vous, il n'y aura pas de live dimanche, je ne suis pas chez moi, je le répète, je rentre chez moi tard, puisque euh, j'ai 7 heures de train, donc euh, je serai pas chez moi, je ne pourrai pas live. Par contre, on se retrouve demain à 17h pour le nouvel épisode du Legacy Challenge, un épisode positif. Je vous ai parlé au début du live, si vous étiez là, eh bien euh, l'épisode 23 sera assez dramatique, donc profitez de l'épisode de demain, puisqu'il est positif. Voilà, profitez de cet épisode J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, je vous fais des gros bisous, rendez-vous demain à 17h. Bye bye tout le monde oui, au revoir.